Et Audrey, je te laisse expliquer pour le chat, OK? Oui, aucun problème. Bonjour et bienvenue à notre événement intitulé Réflexion sur le projet de loi 2 au Québec. J'ai le grand plaisir de to host this event through the CREE, the Center for Research on Ethics, le Centre de recherche en éthique. Cet événement va être complètement bilingue. Dans la tradition du CREE, il y aura des présentations dans les deux langues et vous êtes invités à poser des questions dans les deux langues. Welcome to our event that will share with you reflections on surrogacy and gamete donation in light of Bill 2. I just wanted to open by sharing my joy for hosting this event because it really aligns with the mission of the CREE, which is to look at ethical challenges through multiple disciplinary lenses and to look especially at the consequences of ethical issues for society. And today we're looking at a law. So the impact on society is obvious and clear. I don't want to take any more time because there is so much to discuss and I'm passing it on to Alana to introduce the topic and then we'll jump straight into the panel itself. Thank you for joining us. Hi, everybody. My name is Alana Catapan and I'm so excited to be involved in this panel. I'm going to spotlight myself. Am I spotlighted on other people's things? No? Okay, I'm gonna go to myself. Spotlight for everybody, that's me. Okay, so I'm so excited to be involved in this panel. I've been collaborating with Vardit and several of the people on this panel for a while now. And I'm a longtime friend of the CREE. So this panel brings together scholars with critical expertise in the governance of assisted reproduction in Quebec to share their knowledge about Bill 2, Projet de loi 2. So as you know, Bill 2 has been, maybe you don't know, but I'm going to tell you, has been weaving its way through the Assemblée Nationale since October. And the bill is in large part a response to ongoing concerns about the regulation, affiliation in the province. And it also responds, or at the same time, it responds to issues raised by the 2015 Roy report. And so when it was tabled in October 2021, Projet de loi 2 was subject to very important critiques from the LGBTQ plus community and particularly people who are trans and gender diverse about provisions that would require people to undergo surgery in order to be able to change sex markers on their identification, as well as some other related concerns that would require unnecessary and invasive information about sex and gender identity. So there's a lot of controversy and a lot of coverage about Bill 2 around this issue, rightfully, and there have been proposed amendments to the bill in relation to that. But the bill and a great part of the bill also addresses family law, including the regulation of surrogacy and gamete donation. In terms of surrogacy, it introduces this like sweeping surrogacy regime that works to streamline the process of approving surrogacy arrangements by having notaries rather than lawyers engage. It also introduces new counseling requirements. It set parameters for what kinds of surrogacy arrangements can happen in cross-provincial and international ways. And there's also provisions around gamete donation that would establish, quote, a right to know one's genetic origins. Sorry about that. So much of what I've heard to date have been conversations between and among legal scholars in this field and largely occurring either in English or in French about the parameters of the bill, which is why I'm so enthusiastic about this panel. It's that it's an interdisciplinary and bilingual conversation about what this bill means for surrogacy and gamete donation in Quebec. A truly interdisciplinary and truly bilingual conversation, and particularly the ethical, legal, and social implications. And so I've just modeled for you, I'm more comfortable speaking in English, but I'm going to introduce our présidente pour aujourd'hui en français. So Audrey L'Espérance, qui est associée de recherche et responsable scientifique au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. C'est ça? Yeah, okay. Audrey a obtenu son doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et un postdoctorat à l'Université de Toronto. Elle a aussi été chercheure invitée au Bio Center for the Study of Bioscience, Biomedicine, and Biotechnology and Society
at the London School of Economics and Political Science en Grande-Bretagne. Ses travaux ont porté sur les pratiques et les politiques publiques liées à la procréation médicalement assistée, au savoir expérientiel, l'expertise et l'élaboration des politiques publiques en santé. And like, Audrey's work has been so formative for my own. Her work on public policy related to assisted reproduction has been like, it is cited in every work on assisted reproduction, pretty much looking at funding and policy interprovincially in Canada. And it has been formative work for me, but other people as well. And so I'm very pleased to pass on the parole, the mic to Audrey. Merci beaucoup. Merci Verdit et Alana pour l'invitation et surtout pour cette entrée en matière. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de retrouver plusieurs anciens collègues, collaborateurs et amis. C'est un peu un retour aux sources aujourd'hui, alors c'est vraiment un plaisir. Mon objectif de présidente aujourd'hui, c'est surtout de créer un environnement d'échange pour que les participants et les panélistes puissent converser autour du sujet de la loi 2. C'est un sujet qui est toujours chaud et d'actualité, bien sûr, mais aussi qui permet beaucoup d'échanges, surtout dans le contexte ici là, où on a des personnes de toutes les disciplines. Donc, tout d'abord, nos panélistes vont présenter tour à tour pour une quinzaine de minutes. On passera ensuite à la période de questions et discussions. Si jamais vous avez des questions de clarification sur le contenu ou une question plus pointue sur la présentation des participants, je vous demanderai d'utiliser la plateforme de discussion, donc la plateforme de chat. Si vous regardez en bas de votre écran, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec Zoom, vous allez avoir un petit icône qui est juste en bas de votre écran qui va être écrit « discuter ». Donc, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous ouvrir une boîte de discussion. Donc, utilisez celle-ci. Puis pour la période de discussion, un tout petit peu plus tard, je vous demanderai d'utiliser encore une fois l'icône réaction. Donc, pour lever votre main, je vais pouvoir vous donner la parole tour à tour. Pour ceux et celles qui n'étaient pas déjà connectés lorsqu'Alana l'a mentionné, la présentation d'aujourd'hui va être enregistrée. Par contre, pour ceux et celles qui aimeraient garder un peu l'anonymat ou en tout cas qui voudraient ne pas faire partie de l'enregistrement, si vous gardez votre vidéo fermée et votre son à muet, vous ne devriez pas faire partie des personnes qui sont visibles sur le vidéo. Par contre, si vous prenez la parole et vous ouvrez votre caméra, vous ferez donc partie de notre enregistrement. Ceci dit, donc, je tombe directement au vif du sujet en vous présentant notre première panéliste, Stephanie Carsley. Stephanie is j'ai professeure adjointe à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. She researches and teaches in the area of family law, health law, and tort law, and her research focuses on Canadian law and policy responses to assisted reproduction, in particular surrogacy, in vitro fertilization, and sperm, egg, and embryo donation. She's currently the principal investigator for a SHRC-funded qualitative study entitled Surrogacy Laws in Canada, Exploring Intended Parents' Experiences and Perspective. Stephanie, thank you for being with us today. I give you the floor for the next 15 minutes. Thank you so much for the introduction. I'm just going to share my screen, so give me a second. Okay, so we should now be able to see my PowerPoint. Just give me one second. We see your PowerPoint very well. Okay, perfect. And okay, perfect. Let me just minimize that. Perfect. Okay, great. So today my presentation is going to focus on Quebec's proposed reforms to its surrogacy laws. And so I'm going to start off today by speaking about how Quebec currently responds to surrogacy. I'm then going to summarize what I see as the principal changes proposed in Bill 2 for domestic surrogacy. So in other words, I'm going to discuss the rules that apply where a surrogate gives birth in Quebec. And then I'll use my remaining time to comment on some of the implications of these changes for surrogates and intended parents,
And what I see is some of the strengths and shortcomings of Quebec's proposals. And this commentary is informed in part by data I obtained about surrogacy contracts and about provincial family law rules from qualitative interviews that I conducted previously with Canadian surrogacy lawyers. And so how does Quebec currently respond to surrogacy? Well, currently where a child is born to a surrogate in Quebec, the person who gives birth to the child, so the surrogate, is legally recognized as the child's parent at the time of the birth. However, the surrogate may transfer her parental rights to the intended parents. And the way that this happens is through adoption. So more specifically through what's referred to as an adoption by special consent. And so effectively one of the intended parents can be registered as a child's parents immediately following the birth, but the other needs to adopt the child. And the surrogate, of course, needs to consent to the adoption. The Civil Code of Quebec also currently makes clear that surrogacy agreements are absolutely null. And so what this means is that any agreements in which a surrogate agrees to carry a child for another individual or couple is not enforceable. It's deemed to have never existed. And so neither the surrogate nor the intended parents are bound by any provision set out in a surrogacy contract. And a child's filiation or parentage cannot be determined on the basis of the agreement. It's determined pursuant to the rules set out in the Civil Code of Quebec. This also means that if a surrogate ultimately does not consent to the special consent adoption, then she will maintain her parental rights. And so the agreement cannot override this. So even if the agreement indicated the surrogate's intentions were to give up the child, okay, that's not legally binding. And it's also important to note that in Quebec, as in the rest of Canada, it's illegal to pay a surrogate to carry a child, but she may be reimbursed for her out-of-pocket expenses or for lost work-related income. Okay, so how does Bill 2 propose to change all of this? Well, the first major change is that if Bill 2 comes to pass, it would allow intended parents to register as the parents of a child born through surrogacy without proceeding through adoption, and so without going to court. But in order for intended parents to do this, they need to have met certain requirements. And so the first requirement is that the parties need to have obtained independent counseling prior to conception. And so Bill 2 makes clear that the surrogate and intended parents each need to meet individually with a professional who's qualified to inform them of the psychosocial implications of surrogacy and the ethical issues it raises. And then the professional will give them a signed document confirming that they attended this information meeting, okay? And then the second requirement is that following this information meeting with the counselor, the surrogate and intended parents need to enter into a surrogacy agreement that's drawn up and witnessed by a notary. And this also needs to happen prior to conception. Bill 2 doesn't tell us much about what kinds of provisions need to be in this agreement. Instead, it says that the government is going to set this out in future regulations. And for now, basically what they've said is that the agreement should contain some information about the surrogate. They haven't really specified what, and should provide for an amount of money for the surrogate's reimbursements that will be held in trust by the notary, okay, for the surrogate. And Bill 2 makes clear that this agreement is still not binding with respect to parentage, and the surrogate may unilaterally terminate the surrogacy agreement anytime before the birth. And Bill 2 states that if the surrogate terminates the surrogacy agreement, either prior to or following the birth, the intended parents can't ask for their money back, so they can't reclaim the expenses already paid out to the surrogate. And then the third requirement is that a surrogate needs to consent in writing following the birth to sever her bond affiliation with the child. So in other words, she needs to consent to not be recognized as the child's parent. And so the intended parents are still not automatically the child's parents at birth. The surrogate's still presumed to be the parent, but she can consent to the intended parents being registered as the child's parents instead of her. And this consent cannot be given earlier than 7 days following the birth and must be given within 30 days. And if these requirements are not met, so if the parties don't get counseling or don't create a notarized agreement, but the surrogate consents to give up her parental rights following the birth,
The intended parents can still be recognized, but they will have to go to court for this. And if the surrogate doesn't consent following the birth, then what happens depends upon why she didn't consent. And so if she didn't consent because she died or became otherwise incapable of consenting, then she's presumed to have consented and the intended parents may be registered as the child's parents, but again, they have to go to court for this. If, however, she disappears with the child or just refuses to give consent, then the surrogate is recognized as the child's parent, but the intended parents may apply to court to change the child's filiation, okay? And Bill 2 states that in deciding whether to recognize the intended parents as the child's parents instead of the surrogate, the court needs to consider the best interests of the child and also the reasons why the surrogate didn't consent. Okay, so that's Bill 2 in a nutshell. I'm gonna use my remaining time to speak about the implications of these proposed changes, both for surrogates and intended parents in Quebec. So one of the effects of Bill 2 is that it should make it easier for the surrogate to transfer her parental rights to the intended parents. The current adoption process in Quebec is time consuming. At minimum, it takes about 5 months. Whereas under the new regime, okay, this could happen much faster. So the surrogate needs to wait 7 days before she can consent to give up her parental rights. But after that, the intended parents can apply to register if all the other requirements have been met that I just set out. Bill 2 also allows both intended parents to be registered as the child's legal parents at the same time, which I think is also preferable to Quebec's current regime. So one of the lawyers that I interviewed in the course of my empirical work pointed out to me that often the intended parent who needs to adopt their child feels less important than the other intended parent or feels upset to not be recognized from the outset. And so Bill 2 would effectively remedy this. Bill 2 should also reduce the costs for intended parents because they won't have to pay the costs associated with applying for the adoption and going to court. And also if the government creates a standard form surrogacy agreement, which it seems that this is what they plan to do, then this would also be far less costly, or could at least be far less costly than now, where intended parents are paying several $1,000s for surrogacy lawyers to draft often very lengthy, very complicated surrogacy agreements. I think the requirements for counseling and for a notarized standard agreement could also potentially help to better ensure that both surrogates and intended parents are making informed decisions in entering these arrangements. But I say tentatively that this could help because I currently feel I actually need more information about how these counseling sessions are going to be carried out and about the content of these surrogacy agreements to be able to really assess whether they're going to be helpful. I also want to know more about the training that notaries are going to receive in order to be able to properly advise surrogates and intended parents. Surrogacy laws are very complicated. I think also that Bill 2 is quite poorly drafted and confusing, and I think it will require a significant amount of specialized knowledge and expertise on the part of these notaries to be able to ensure that surrogates and intended parents are properly informed. I also have some concern that a single notary is going to be advising both surrogates and intended parents pursuant to Bill 2. I think there's benefits of ensuring that the parties have independent legal advice and have a lawyer that's representing their interests exclusively when entering these arrangements. And with respect to the contents of surrogacy contracts, my hope is that the notarized agreement contemplated by Bill 2 will basically only state two things, or two kind of categories of things. So first, who intends to be the child's parents, and second, the amount of reimbursements that the intended parents agree to provide to the surrogate. And so currently, surrogacy agreements often contain a range of provisions that are clearly legally unenforceable, but that I think intended parents and surrogates might think or might erroneously be led to believe could be given legal weight. So for instance, these contracts often have provisions that seek to restrict surrogates' behavior and reproductive choices. So for instance, some indicate what the surrogate will and will not eat during pregnancy, that she will not travel, that she won't have unprotected intercourse. These agreements sometimes indicate how many times the surrogate will agree to undergo IVF and embryo transfers.
Some agreements also state that the surrogate agrees to abort the fetus or have a selective reduction in the event the intended parents ask her to, and indicate that if she doesn't, that she'll be subject to financial penalties. So she will have to repay the expenses already paid to her or would not be reimbursed for her expenses moving forward. And I think that surrogates and intended parents should certainly have conversations, for instance, with a counselor or a social worker about their intentions and expectations, for instance, around the surrogate's medical treatment, her conduct, her food choices, her reproductive decisions. But I don't think that these kinds of provisions have a place in surrogacy contracts. I think that prior case law is very clear that a judge would not be willing to enforce these kinds of provisions. And I worry that by including them in a legal document, the intended parents and surrogates might mistakenly believe that they could be legally binding. With respect to the surrogate's consent, I know some people have expressed concern that the surrogate needs to wait 7 days prior to consenting to give up her parental rights. I actually don't think that this will have major practical implications. The 7-day rule mirrors Ontario's legislation, and I was told in the context of my interviews with lawyers that prior to that 7-day rule being introduced in Ontario, it was actually uncommon for the paperwork to be completed by the lawyers within 7 days anyway, and so it wouldn't actually have a big impact. The bigger change that's being brought here is that should the surrogate refuse to consent following the birth, the intended parents will now have the ability to apply to court to potentially be recognized instead of the surrogate. And this is important because currently, if a surrogate refuses to consent following the birth, one of the intended parents automatically cannot be recognized. And while an intended father who used his sperm to conceive could be recognized in this situation, an intended mother who used her eggs to conceive cannot be currently recognized in that situation. I should note the disputes over a child's parentage are very rare, but they do happen. And I think that Quebec's current laws do not adequately account for the intended parent's emotional and potential genetic connection to the child, as well as the intentions of all the parties involved. Bill 2 gives the court the ability to recognize the intended parents instead of the surrogate, but this is left to the court's discretion. And there's no real guidance given for how the court should decide who should be recognized. And because the civil code, unlike Ontario and British Columbia's legislation, only allows for two parents to be recognized, this means the court's left with two options: either recognize the intended parents to the exclusion of the surrogate, or recognize the surrogate and one intended parent. And so Bill 2 could still result in a situation where only one intended parent can be recognized. And so I think that that's still a problem. And finally, the regulation of surrogacy in Quebec will also further legitimize surrogacy arrangements within the province. And I think that this is important because there seems to be a lot of confusion about the legal status of surrogacy arrangements in Quebec. So prior to 2014, there was some disagreement among scholars and judges about whether surrogacy was prohibited within the province and whether judges were permitted to allow for special consent adoptions where a child was born through surrogacy. In 2014, the Quebec Court of Appeal clarified that surrogacy is not illegal in Quebec and adoptions are permitted in this context. But it seems that at least some Canadian lawyers and even potentially members of the Quebec government didn't really get the memo on this. And so intended parents in Quebec are still sometimes advised not to work with surrogates within the province. And Quebec surrogates are sometimes still asked to drive over the border to Hawkesbury or to Ottawa to give birth. And it's also still common for fertility lawyers to include clauses in their surrogacy contracts that indicate that a surrogate will not travel to Quebec during the pregnancy because they're worried that the surrogate might give birth in Quebec. And in turn, the Quebec government recently cited the lack of surrogacy regulations in Quebec as justification for not providing public funding for IVF for individuals working with the surrogates. And so I think it's going to be very beneficial for the province to move forward and further regulate surrogacy arrangements to hopefully clarify the current state of the law and also to acknowledge and recognize surrogacy arrangements as legitimate means of family building in Quebec. And so thanks very much. I look forward to your comments and questions at the end of the session. Wow, I'm impressed. 15 minutes sharp. Thank you very, very much, Stephanie, for a very nice presentation. I'm just
reminding all of our participants that if you have clarification questions, for Stephanie, please feel free to use the discussion box to ask your question. And I'll transfer it to her. Otherwise, I am going to present our next panelist, Vincent Couture, qui est professeur adjoint à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Il enseigne l'éthique appliquée aux soins infirmiers et à la santé et chercheur régulier au Centre de recherche du Chute-Québec à l'Université Laval. Et il possède une affiliation Interax entre la santé des populations et pratiques optimales en santé et en reproduction, santé de la mère et de l'enfant. Son programme de recherche se concentre sur l'éthique des soins appliqués au début de la vie. Vincent, bienvenue et merci beaucoup. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup, Stéphanie, pour les précisions. Là, c'était fort clair, pertinent et utile. Je vais vous partager mon écran. Donc, on m'a donné la tâche de parler de GPA transfrontalière. Donc, que j'ai, resserré plus, la GPA hors Québec. Donc, vous verrez, je vais définir tout ça. Donc, qu'est-ce que j'entends par hors Québec? En fait, c'est interprovincial, puis Stéphanie en a parlé un petit peu. Donc, le lien assez fort qui unit l'Ontario puis le Québec. Quoique, bon, il est possible d'aller dans d'autres provinces pour de la GPA. Puis, je pense qu'il y a un article de Alison Motlock qui est ici parmi nous, là, qui parlait des déplacements transfrontaliers vers la Colombie-Britannique aussi. Mais quoique l'Ontario représente peut-être le grand hub pour le Québec, et puis aussi par hors Québec, j'entends à l'international. Donc, c'est vraiment tous ces déplacements-là transfrontaliers. Voilà, donc c'est ce que j'entends par GPA hors Québec. C'est sûr que dans la littérature, on parlait, parce que c'est des vieilles expressions, de touristes de fertilité, touristes de reproduction. Donc, c'est un peu daté comme manière de nommer. Aujourd'hui, on parle peut-être plus de soins reproductifs transfrontaliers, c'est plus neutre. Puis, dans la présentation, je vais parler de GPA transfrontalière pour décrire ce phénomène-là. Donc, dont l'argument que je vais défendre dans ces 15 minutes, c'est que le projet de loi A2 représente un changement de paradigme, rien de moins. Donc, je sais que les chercheurs en sciences sociales adorent dire qu'il y a un paradigm shift, mais en tout cas, je vais essayer de vous convaincre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en matière de GPA transfrontalière. Donc, grosso modo, c'est le changement, c'est qu'on reconnaît dans le droit codifié la GPA transfrontalière, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Donc, la structure de ma présentation, je vais vous parler avant P2, maintenant P2, puis après P2. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans P2 étant, c'est quand la loi va être votée, si jamais c'était voté dans la forme actuelle. Donc, disons, qu'est-ce que c'était, la GPA transfrontalière, avant ce projet de loi-là? Il y avait on pourrait dire même cinq grandes raisons pourquoi, les Québécoises et les Québécois allaient à l'étranger. Quitter la province pour avoir des soins de gestation pour autrui. Puis, disons que c'est des données qui proviennent d'une ethnographie que j'ai faite sur les soins reproductifs transfrontaliers au Canada. Donc, c'est sûr que la grande raison, c'est la difficulté de trouver une gestatrice. On l'a nommé tout à l'heure, il n'y a pas d'avantage matériel, on ne peut pas être rémunéré pour faire ces choses-là. Il y a la règle d'altruisme dans la loi sur la procréation assistée. Et puis, au Québec, il y avait cette autre composante-là. Vu que les contrats étaient nuls, sont nuls d'une nullité absolue, il n'y a pas de protection aussi qui vient avec ça. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à trouver, que les gens puissent se rencontrer pour un projet de gestation pour autrui. Et puis, une autre raison, c'est très québécoise, pourquoi les gens allaient à l'étranger aussi, c'est qu'il y a une sorte de vulnérabilité des deux côtés, mais aussi pour les parents d'intention à cause de l'absence de contrat. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? On ne le sait pas trop. Ça peut être compliqué. Dans les faits, ça finissait par se régler dans les tribunaux, mais il y avait toute une forme d'incertitude. Est-ce que le deuxième parent allait être reconnu ou non, etc. La grande raison pourquoi les gens vont à l'étranger, ça, c'est la raison classique dans la littérature
en éthique, la littérature internationale en bioéthique, mais aussi en sciences sociales. En fait, c'est le coût élevé de la gestation pour autrui. Donc, même si, disons, il y a cette règle-là d'altruisme dans la loi sur la procréation assistée, ça reste que ça peut être quand même assez dispendieux. Puis, dans ma thèse, disons, j'arrivais à proposer quelque chose autour entre 10 000 à 50 000 $ pour avoir de la gestation pour autrui au Canada. Puis, s'il y avait des complications, s'il y avait des problèmes au niveau de la grossesse, ça pouvait aller jusqu'à 100 000 $ Donc, malgré tout, ça reste quand même assez dispendieux. Puis, il y a des options internationales qui font que ça peut être plus, disons, un peu moins cher. Il y a une autre raison qui n'a pas été trop mentionnée dans la littérature sur les soins transfrontaliers, c'est la question des affinités. Donc, parce que c'est quand même assez rare des gens qui ont envie de devenir femmes porteuses. Mais en même temps, des fois, c'est des histoires, c'est des rencontres, c'est des gens qui ont vécu des choses ensemble et puis ils se connaissent et tout ça. Puis ça la donne que les gens vivent dans deux juridictions différentes et puis ça devient une GPA transfrontalière parce que par affinité, on crée un projet ensemble. Ça, je pense que ça arrive plus souvent qu'on pense, mais ce n'est pas souvent explicité. Donc, peut-être que des études qualitatives sur le sujet permettraient peut-être vous avez plus de données à ce sujet-là que moi. Et puis, il y a un autre aspect qui est peut-être secondaire, qui est vraiment la présence d'intermédiaires établis. Donc, c'est-à-dire qu'il existe des réseaux pour mettre les gens en contact, il existe des avocats pour les contrats de gestation, tout ça. Donc, il existe des institutions, il existe des personnes qui sont là pour faciliter. Puis ça permet justement, ça attire les gens de d'autres endroits vers ces endroits-là où c'est un petit peu plus établi. Donc, ça, c'est les grandes raisons pourquoi les gens quittaient le Québec jusqu'à tout récemment. Et puis là, je vous ai mis une citation d'un médecin que j'ai interviewé. Bien, trouver une mère porteuse, c'est de la job. Donc, la première grande destination qui ressortait, disons, de mes études, de mes recherches, c'est les gens vont vers l'Ontario. Puis Stéphanie en a parlé. Puis c'est vraiment pour compenser l'absence de contrat. Il y a quelque chose de plus sécuritaire, quelque chose d'un petit peu plus établi en allant faire ces démarches-là en Ontario. Puis aussi, bon, j'ai entendu des histoires où c'était les gestatrices, les femmes porteuses qui se déplaçaient en Ontario. Donc, ce n'est pas seulement les parents d'intention qui se déplacent, mais aussi les femmes porteuses peuvent se déplacer. Puis c'était un peu la hantise déjà dans le rapport Baird et tout ça. Il y avait déjà cette hantise-là que si au Canada, chaque province se mettait à avoir des standards différents, un patchwork différent, bien les gens allaient commencer à se déplacer entre les provinces. Donc, c'était vraiment un peu l'espèce de vision très juridique aussi des soins transfrontaliers. Mais il faut dire encore une fois, qu'est-ce qui, selon moi, fait que l'Ontario est intéressant comme destination? Bien, c'est qu'il y a la présence de tous ces intermédiaires, de ces avocats-là. Il y a tout un milieu aussi qui est établi. Ces agences de gestation pour autrui, où c'est des gens qui mettent d'autres personnes en relation et tout ça. Donc, il existe un genre de mini-infrastructure que j'ai l'impression qu'au niveau matériel, ça contribue aussi à créer ces genres de hubs-là. Donc, c'est ce qui faisait dire justement, il y avait un article de Alison Motlock qui montrait bien à quel point l'Ontario était vraiment une destination intéressante pour les gens de partout à travers le monde, mais beaucoup aussi pour les Québécois et les Québécoises. Donc, une autre médecin que j'avais interviewé, une fertologue, elle disait, en Ontario, c'est quand même assez facile, c'est quelque chose d'assez standard. Et l'autre possibilité pour les parents d'intention québécois, c'était de quitter le Québec, de quitter le pays, de quitter le Canada. Puis là, ce qui devient intéressant, c'est qu'il y a toute une stratification reproductive des destinations. Les coûts, les services changent en fonction de où on se dirige. Donc, d'un côté, il y a les États-Unis qui offrent des services. C'est une possibilité, mais ça reste quand même assez dispendieux au niveau des assurances et tout ça. Et puis, il existe donc pour des strates intermédiaires et tout ça, ou pour des budgets un petit peu plus serrés, des pays à faibles et moyens revenus. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est
à ce niveau-là, les choses ont changé parce que l'Inde, la Thaïlande, puis il y a d'autres pays qui ont arrêté justement de permettre aux étrangers de venir pour la gestation pour autrui. Mais là, tout le défi, c'était la reconnaissance de l'acte de naissance quand on revenait aux frontières. Si on tombait sur un fonctionnaire un peu trop curieux, bien, ça se pouvait qu'il devine assez vite que c'était de la gestation pour autrui, puis là, tout devenait assez compliqué. Puis c'est sûr que cette dynamique-là, plus internationale, si on veut, posait des enjeux éthiques vraiment, ici je dis de consentement authentique, mais c'est tous les écarts néocoloniaux entre les pays riches, les pays à faibles et moyens revenus. C'est la question, est-ce que jusqu'à quel point l'argent ne vient pas biaiser un consentement? Est-ce qu'il n'y a pas justement une espèce de pouvoir qui se crée entre des gens qui viennent de pays un peu plus nantis? Bon, ça posait aussi toute une série de problèmes d'éthique globale, on pourrait dire. Donc, quand on regardait, disons, la vieille loi, OK, le droit en matière de soins transfrontaliers, ben, ça apparaissait nulle part. Nulle part dans la loi sur la procréation assistée, on parlait de soins transfrontaliers. Ça n'existe pas. Et puis, dans la loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, il y avait une mini-mention sur les soins transfrontaliers. Et puis, c'était l'idée que c'était interdit de référer à l'étranger. Donc, c'était plus sur le fait de ne pas aller à l'étranger. Interdit si, en fait, ça n'était pas conforme avec la loi. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec P2? Eh bien là, il y a toute une série de mentions de GPA transfrontalière qui apparaissent. Donc, je vous fais un petit résumé. Donc, la règle d'altruisme continue, pas de rétribution de la GPA sous réserve des lois de l'autre juridiction. Donc, ça peut se faire à l'étranger. On peut échanger de l'argent, on peut rétribuer à l'étranger, c'est reconnu dans la loi. Respect de la présente loi par les femmes porteuses et les conjoints hors Québec. Donc, ils doivent eux aussi respecter cette loi-ci. Il faut être domicilié au Québec depuis au moins un an pour faire une GPA hors Québec. Il faut demander une autorisation au ministère de la Santé pour une GPA hors Québec. Faire une GPA dans une autre juridiction reconnue par l'État québécois. Ça, c'est possible. Rencontrer un professionnel. Donc, si jamais on va à l'étranger, c'est ça. Il faut aussi faire le counseling dont Kevin, je pense, va parler. L'autre juridiction peut être aussi en charge de toutes les démarches en matière d'acte de naissance, etc. Il faut fournir les renseignements sur la femme porteuse au ministère de la Santé. Il y a une reconnaissance de l'acte de naissance international. Il y a la possibilité d'ajouter le deuxième parent d'intention. Puis les gens qui vont à l'étranger, même, ils ont accès aux prestations parentales un peu plus tôt parce qu'ils doivent faire un voyage. Puis ça aussi, ça inclut le congé parental qui va permettre ce déplacement-là pour aller chercher l'enfant. Donc, on passe de rien du tout à soudainement on reconnaît la gestation pour autrui transfrontalière. Donc, vraiment, on s'ouvre sur le monde. Donc, souvent, on voyait les soins transfrontaliers vraiment comme un problème juridique. Ça veut dire que les gens partent parce que la loi ne fonctionne pas. Mais là, ici, on est vraiment ailleurs. Vraiment, on reconnaît que le Québec est interconnecté avec le reste du monde, puis il y a comme une sorte de fatalité ou une nécessité où ce type de procréation-là assistée se fait de manière globale. Donc, vraiment, on prend en compte le système global. Donc, on voit vraiment une procréation assistée comme un assemblage global qui rejoint tout plein d'acteurs. Donc, après P2, après, bon, une fois que ça va devenir une loi, qu'est-ce que ça pourrait être les conséquences de ça? Bien, c'est sûr que ça entraîne une normalisation de la GPA au Québec. Donc, maintenant, c'est acceptable. Il y a même des avantages, etc. Donc, ça risque d'avoir un certain impact aussi sur les cycles locaux. Peut-être que des gens qui seraient à l'étranger vont rester au Québec. Mais j'ai l'impression aussi que ça va avoir un effet, un impact aussi sur les gens qui vont aller à l'étranger. Parce que d'un côté, ça va être encore plus simple. Bon, disons, on reconnaît la gestation pour autrui. Mais il y a toujours cette règle-là d'altruisme qui n'a pas changé. Puis, il y a toujours la difficulté de recrutement qui est présente. Donc, peut-être que ben, ça va devenir, pour certains, pas une option si intéressante que ça, parce que de toute manière, on n'arrivera pas à trouver de gestatrice, ou encore, ça va nous coûter trop cher. Donc, en fonction de nos budgets, peut-être qu'on va être tenté d'aller vers les États-Unis, vers le Canada, ou peut-être vers le monde, en fonction de notre budget. Donc, il risque aussi d'avoir des gens qui vont venir vers le Québec, puis ça, c'est maintenant, ça va devenir une réalité. C'est quelque chose qui n'existait pas, qui devait être complètement anecdotique. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de juridictions internationales qui permettent la GPA pour des étrangers.
Et puis aussi, bien, un peu comme ça a été dit ailleurs, mais il y a quand même beaucoup d'avantages à faire ces démarches-là ici. Il y a un cycle de FIV qui est payé par le gouvernement, il y a l'assurance santé, les congés parentaux, les allocations parentales, on peut même obtenir la nationalité canadienne. Donc, il y a tout un package aussi d'avantages qui sont associés à ça. Donc, j'ai l'impression aussi que ça va... Un des grands impacts, c'est que soudainement, on va faire des voyages vers le Québec. Mais peut-être qu'est-ce qui manque encore, c'est l'écosystème d'intermédiaires et d'avocats qui va devoir être créé, justement, matériellement. Pour conclure, est-ce que c'est vraiment un nouveau paradigme? Bien, c'est sûr que d'un côté, on reconnaît la dimension globale de la procréation assistée. Maintenant, peut-être l'étape suivante, ça serait justement de... On considère que c'est un système international, mais dans la loi, on ne voit nulle part des engagements extraterritoriaux. Donc, on sent qu'il y a pas, on ne se sent pas responsable de ce qui se fait à l'extérieur. Donc, ça reste un peu les business as usual, un peu toujours les mêmes règles du marché, d'un marché de services. Donc, c'est sûr que ça participe, disons, ou ça collabore à un système monde qui est un peu débalancé avec des écarts nord-sud qui sont malgré tout marqués. Puis je me questionne, le droit de connaître ses origines, comment ça peut fonctionner justement dans ce système monde? Merci beaucoup. Merveilleux, Vincent, merci beaucoup. Merci pour cette superbe présentation et le respect du temps. Je me permets de tout de suite passer à notre prochaine présentatrice. Donc, c'est un plaisir de vous présenter Isabelle Côté, qui est professeure et agrégée et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux du département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Isabelle s'intéresse aux pratiques familiales émergentes, notamment les familles homoparentales dont les enfants sont nés grâce à la participation d'une tierce personne au projet parental, de couples gays et lesbiens. Ses travaux de recherche portent plus spécifiquement sur le rôle du donneur de sperme connu auprès des enfants des familles lesboparentales et les motivations d'hommes gays à avoir leurs enfants grâce à la gestation pour autrui. On a donc déjà hâte de vous écouter, Isabelle. Alors, je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Là, ce ne sera pas long. OK. Là, vous voyez mon écran complet? Oui, parfait. Je suis contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je fais un petit encore, en fait, entre mes collègues qui parlent de gestation pour autrui. Les trois vont parler de gestation pour autrui, mais moi, je vais plutôt vous parler, en fait, du PL2 et de la question des origines. Les réflexions qui vont émerger, en fait, de ma présentation sont portées, c'est important de le dire, là, à la fois par mon collègue Kevin qui va parler après moi et moi. Et à partir de nos travaux, là, comme Audrey l'a expliqué, sur les familles qui sont issues de la procréation pour autrui, que ce soit le don de sperme, d'ovule ou la GPA. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est l'ensemble des parties concernées, c'est-à-dire les parents, les tiers de procréation et les enfants aussi, donc les personnes issues de ces procréations assistées-là. Donc, nos réflexions font partie de là. Donc, d'abord, ce que je veux faire, c'est juste aborder avec vous brièvement les différents articles du projet de loi qui touchent la question des origines. Par la suite, je vais proposer l'analyse que Kevin et moi en fait pour finir avec les recommandations d'amélioration du projet de loi là, qu'on a proposé ou soumis là, à l'automne. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le projet de loi 2 va consacrer un droit aux origines, à savoir pour les personnes issues de dons, là, de pouvoir obtenir des données nominatives ou des renseignements qui concernent le ou la tiers de procréation. Aussi, ça remet, le projet de loi remet en fait dans les mains des parents, comment je pourrais dire, l'obligation d'informer l'enfant des modalités de sa conception. Il va y avoir aussi une possibilité pour les personnes qui questionnent ou en tout cas qui se demandent s'ils sont nés par don, de vérifier si c'est le cas, donc si leur conception découle de la part d'une tierce partie à partir de l'âge de 14 ans. Aussi, lorsque une personne tierce partie de reproduction va être
interpellée pour un contact avec une personne issue de ses dons, elle va pouvoir opposer un refus de contact. Donc, elle ne sera pas obligée, en fait, de rencontrer les personnes issues de ses dons. Toutefois, il faut savoir que son identité pourrait quand même être transmise à la personne qui va être issue de ses dons, du moment que la personne en question respecte le refus de contact. Il va y avoir aussi des services d'accompagnement psychosocial qui vont être offerts à toute personne qui entreprend des démarches pour obtenir des communications, des renseignements en fait et des documents concernant ses origines. La création aussi d'un registre qui contient les renseignements et les volontés des parties concernées. Et finalement, le ou les parents vont être responsables de collecter les données concernant la tierce partie et de les transmettre au directeur de l'État civil lors de la déclaration de naissance de l'enfant. Et le directeur, quant à lui, va inscrire ces informations au registre. Donc ça, c'est, il y a d'autres articles, mais c'est ceux qui nous intéressent davantage là, dans le cadre de nos travaux à Kevin et moi. Donc, évidemment, on accueille favorablement le fait que le projet de loi va instituer un droit à la connaissance des origines en faveur des personnes issues d'une procréation grâce à une tierce partie. Sauf qu'il faut savoir quand même que la question des origines ne va pas être résolue, évidemment, avec une nouvelle législation, puisqu'on sait déjà que la consécration d'un droit aux origines ne garantit pas que les parents vont accepter de divulguer ce mode de conception-là à leurs enfants. Par exemple, on sait qu'en Suède, à partir de 1985, la Suède, en fait, a consacré un droit aux origines. Et à partir de 2003, quand les enfants nés après 1985, donc ont eu 18 ans, il y a eu très, très peu de demandes au registre de renseignements concernant le donneur. Là, les chercheurs ne savent pas trop pourquoi, en fait, il y a si peu de demandes. Au printemps passé, j'écoutais une conférence d'une chercheure qui travaille au registre et qui disait qu'il y a à peine une ou deux demandes de renseignements par année. Donc, pourquoi seulement une ou deux demandes de renseignements par année? C'est difficile à savoir. Évidemment, on ne peut pas nécessairement appeler, écrire à toutes les personnes dont on sait qu'ils sont nés par don de gamètes pour leur demander pourquoi vous ne faites pas de demande, tu sais, parce qu'évidemment, on ne sait même pas si ces personnes-là sont au courant de leurs origines. Donc, les Suédois présument que c'est parce que justement, la divulgation n'a pas suivi, en fait, cet accès-là. Donc, que les parents n'informent pas leurs enfants. Basé sur cette expérience-là, il y a certains pays, comme l'Australie, par exemple, qui ont mis en place des modalités de divulgation obligatoires par le biais d'une information qui va être automatiquement transmise par l'État civil à toute personne conçue par don lorsqu'elle atteint sa majorité. C'est-à-dire qu'à 18 ans, les personnes vont recevoir un document leur disant « l'État civil a des informations te concernant, si tu les veux, voici où tu dois t'adresser ». Et à ce moment-là, les personnes, bon, si elles s'adressent et si elles apprennent qu'elles sont nées par don, pourraient avoir accès, par exemple, à un acte de naissance modifié là, qui spécifierait, si il ou elle le désire, l'apport de la tierce partie. Mais à tout le moins, ça fait en sorte que les parents sont obligés de divulguer parce qu'à 18 ans, l'enfant recevra cette information-là, qu'il y a une information qui le concerne à l'état civil. Alors évidemment, nous, on se réjouit que ce n'est pas l'avenue préconisée par le projet de loi 2, que la responsabilité de la divulgation soit laissée aux parents. Nous, on est vraiment d'accord avec ça. Par contre, il faut que les parents soient soutenus dans cette démarche-là parce que en l'état, l'article 542.2 fait reposer la question de la divulgation uniquement sur leurs épaules. Et bien que les parents doivent normalement rencontrer une intervenante psychosociale lors de leur démarche en procréation assistée pour discuter notamment des tenants et aboutissants liés au dévoilement, les parents affirment souvent pas se sentir outillés ou pas savoir comment faire lorsqu'ils sont rendus à cette étape-là. C'est-à-dire qu'au moment de la conception, avant même en fait la conception, c'est bien beau de parler de divulgation puis d'expliquer, bon, ben vous en parlez à votre enfant, le plus tôt c'est le mieux, vous lui racontez avec des mots simples. OK, mais quand on est rendu là, le plus tôt c'est le mieux, ça veut dire quoi? 2 ans, 5 ans, 8 ans? Les mots simples, c'est lesquels qu'on utilise? Donc, évidemment, ça fait en sorte que c'est un petit peu compliqué. Et à cause de ça, ce qu'on constate, c'est que les parents, parce qu'ils ne savent pas comment faire, même s'ils ont l'intention de divulguer les informations, bien, ils vont retarder le moment de le faire, justement, parce qu'ils ne savent pas trop comment faire. Or, ce que ça fait, c'est que ça les enferme souvent dans un secret dont ils ne savent pas comment se défaire. Pourtant, les études ont démontré là, depuis longtemps les effets délétères d'un dévoilement tardif ou d'une découverte inopinée par les enfants conçus par don. Donc, c'est important qu'ils puissent être avertis rapidement. Nos travaux aussi démontrent que la divulgation, ce n'est pas un moment unique, en fait. C'est plutôt un processus.
ça se déroule par étapes et c'est beaucoup plus large qu'un enfant uniquement. C'est-à-dire que à qui on dévoile? On dévoile à la famille, on dévoile à l'entourage. C'est qui doit dévoiler? L'enfant, la famille? Par exemple, un père que j'ai rencontré me disait, qu'est-ce que je réponds si quelqu'un dit devant ma fille, « Mon Dieu, qu'elle te ressemble! » Si je dis merci, c'est comme si je mens. Parce que vu qu'elle peut bien me ressembler parce qu'on a le même phénotype, mais biologiquement, ce n'est pas ma fille. Donc, si je dis merci puis que je mens, je montre à ma fille que c'est, on peut mentir. D'un autre côté, si je dis « Ah oui, mais tu sais, merci, mais elle est née d'un autre gamète, mais en même temps, je dévoile des affaires qui ne regardent pas peut-être l'autre personne », là, je ne sais pas comment dire ça. Donc, je ne sais pas quoi faire avec ça, je ne sais pas comment parler, à qui en parler, donc je préfère pas en parler du tout. Donc, tous les parents qui nous ont qu'on a rencontrés, en fait, la grande majorité d'entre eux, nous ont mentionné qu'ils ont cherché de l'aide au moment de la naissance de l'enfant, au moment des étapes de divulgation, mais qu'ils n'en ont pas trouvé. Ils n'ont pas su trouver des personnes non spécialisées qui allaient les aiguiller ou les rassurer quant à la procédure. C'est pourquoi, selon nous, il va être important d'offrir des services de professionnels habilités lors des premières années de vie de l'enfant, plutôt que seulement se concentrer, là, comme on le fait actuellement, au moment de l'entrée en clinique de fertilité. En ce qui concerne la démarche qui consiste à demander des informations sur ses origines, nous croyons aussi qu'une rencontre avec un professionnel habilité devrait être également préalable à toute demande, en fait, devrait être obligatoire à toute demande préalable. Cette proposition-là est inspirée notamment des procédures mises en place en Australie depuis plusieurs années. En fait, en Australie, comment ça fonctionne? C'est que quand quelqu'un veut avoir accès aux informations concernant le donneur ou quand une personne donne une tierce de procréation veut aussi avoir accès aux informations concernant les enfants, parce que ça va des deux côtés en Australie, bien, les personnes doivent avoir une rencontre obligatoire avec des intervenants formés. Cette rencontre-là va viser notamment à discuter de toutes les implications qui découlent d'un contact avec le tiers de procréation. Donc, c'est quoi vos motivations à vouloir avoir ces renseignements-là ou des contacts? C'est quoi les émotions qui vont émerger suite au contact? Comment vous allez réagir si la personne ne veut pas vous rencontrer? Comment doser les attentes entre ce que vous voulez comme contact, mais ce que l'autre personne pourrait vouloir aussi? Donc, toutes ces rencontres-là sont obligatoires préalablement à une mise en contact. Selon les autorités australiennes, l'expérience des personnes a plus de chances d'être bénéfique quand l'ensemble des parties est bien préparé avant le premier contact, justement, et ça évite la désillusion. Quant à la façon de colliger l'information sur les tiers de procréation, ce qui est proposé dans l'article 542, c'est vraiment de faire reposer la divulgation des renseignements aux parents. C'est-à-dire que c'est les parents qui doivent donner les informations concernant le donneur ou la femme porteuse ou la donneuse à l'état civil pour que ça soit colligé. Or, on sait déjà que les parents qui deviennent parents grâce à un don de sperme doivent informer la clinique de fertilité de la grossesse pour qu'on puisse tenir un registre du nombre de naissances vivantes de donneurs. Or, les parents ne le font déjà pas. Donc, est-ce que c'est la meilleure façon de procéder que de faire reposer ça sur eux? Moi, je pense que ça devrait plutôt revenir aux cliniques de fertilité dès que les cliniques de fertilité utilisent une procédure avec un don de gamètes ou un don d'embryon, cette information-là devrait être colligée par les cliniques et automatiquement transmise. Et finalement, la formation des intervenants est complètement oblitérée, en fait, dans le projet de loi. Ça veut dire que n'importe qui pourrait s'improviser un spécialiste de ces questions-là demain matin, alors que c'est pas n'importe qui peut avoir les habiletés, les compétences ou les informations concernant, en fait, les modalités de procréation pour autrui. Alors, tout ça me conduit aux recommandations. Donc, les recommandations touchant spécifiquement la question des origines sont que les parents qui conçoivent leurs enfants à l'aide d'un tiers de procréation puissent être outillés quant aux enjeux qui découlent de la divulgation à leurs enfants de sa conception en leur offrant d'avoir accès à un professionnel habilité une fois l'enfant né, professionnel dont les coûts seraient assumés par l'État. Donc, que chaque parent ait accès, en fait, à cette modalité d'intervention-là au moins une fois l'enfant. Qu'il y ait une rencontre obligatoire aussi avec un professionnel habilité préalablement à toute demande en vertu de l'article 542.3. Donc, toute personne doit rencontrer avant d'avoir accès à ses origines.
que la transmission des informations qui découlent du recours à un don dans le cadre d'une procédure de procréation médicalement assistée soit effectuée par les cliniques de fertilité, comme je viens de l'expliquer. Et finalement, que les professionnels soient dans l'obligation de détenir une certification qui va les habiliter à effectuer les rencontres en lien avec les enjeux qui sous-tendent la divulgation à l'accès aux ownership. Voilà. Merci Isabelle. Super. Puis j'ai tellement de questions. Je vais me retenir. Merci beaucoup pour la présentation. Je donne tout de suite la parole à Kevin Lavoie, qui est professeur à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Il est directeur scientifique du Centre de recherche Jeunes familles et réponses sociales et co-responsable du pôle d'expertise et de recherche sur la diversité sexuelle et de genre. Dans le cadre de ses travaux de recherche, Kevin s'intéresse à la procréation assistée et aux réalités familiales émergentes, ainsi qu'aux pratiques sociales et éducatives auprès des populations LGBTQ+. Bienvenue, Kevin. Je te laisse la parole. Oui, bien, merci beaucoup, Audrey, pour la présentation. Merci aussi aux personnes organisatrices pour l'invitation. En fait, je suis bien content de vous rencontrer, de finir la semaine avec vous tous et toutes. Je pense que ça conclut bien la semaine avec un beau panel comme ça qui me permet en fait de poser différentes idées, en fait, vous déballer des propositions que Isabelle, Côté et moi avons formulées à l'occasion de la commission parlementaire à l'automne dernier. Étant la quatrième personne en fait qui prend la parole, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, que j'avais préparées de mon côté, mais ce n'est pas grave, vous allez voir, je crois que ça va être l'occasion en fait que je puisse poser, puis je vais m'attarder à quelque chose de très spécifique, puis ensuite ça va pouvoir mettre la place par rapport à la discussion qu'on peut avoir collectivement ensemble. Je n'ai pas préparé de PowerPoint pour aujourd'hui, donc ça met juste un peu aussi l'attitude, l'ambiance, un peu de fin de journée 5 à 7 pour des discussions comme ça sur le projet de loi 2. Comme Audrey a mentionné, je m'intéresse à la gestation pour autrui depuis plusieurs années, depuis 2014 pour être plus précis. Ce qui m'intéresse en fait, c'est le rapport à la maternité et à la paternité dans un tel contexte, puis comment ça se construit les liens familiaux dans cet intérêt, dans ce contexte-là, de fonder famille, de faire famille. Vous allez voir également par mon propos, j'ai des lunettes en fait de travailleur social de formation, donc c'est davantage les aspects relationnels et sociaux et psychosociaux, en fait, qui m'interpellent. Donc, mes propositions et les idées que je vais vous amener pour aujourd'hui, je vais m'attarder à ces enjeux-là. Mon petit plan de présentation pour aujourd'hui, ce que je vous propose, en fait, je vais revenir sur quelques éléments du projet de loi 2 avec une attention particulière concernant les conditions préalables à l'établissement de la filiation, donc la voie administrative que Stéphanie proposait, qui a vraiment brillamment posé le cadre législatif et légal concernant l'établissement de la filiation. Donc, moi, je vais m'attarder vraiment à la dimension du counseling dont elle parlait, donc la rencontre d'informations. En quoi consiste-t-elle? Les apports, mais également peut-être des écueils que Isabelle et moi, on peut y voir, et nos propositions pour bonifier le projet de loi actuel. Ensuite, puis en fait, notre proposition, ça s'inscrit dans un cadre d'une approche qu'on vous propose. Et moi, j'invite le législateur à faire preuve d'audace puis d'innovation pour proposer une nouvelle formule. Plutôt qu'une rencontre d'information, allons-y sur autre chose avec une médiation procréative. Et je vais vous terminer avec les recommandations, en fait, à la lumière de tout ça, qui est repris dans notre mémoire que nous avons déposé, qui est accessible également en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, allons-y. Qu'est-ce que le projet de loi 2 propose concernant le counseling? En fait, dans le projet de loi 2, on mentionne la rencontre d'informations qui est censée en fait aborder, c'est un processus formalisé qui encadre les discussions entre les parties, c'est-à-dire les parents d'intention, un ou des parents d'intention et la femme porteuse ou la femme qui accepte de porter un enfant pour autrui à travers l'article 541.10. Il y a trois choses, en fait, qui se dégagent de cet article-là. Une rencontre d'information individuelle à travers une rencontre individuelle avec la femme porteuse et les parents d'intention qui aborde ou qui devrait impliquer, en fait, les implications psychosociales, sans que dans le projet de loi, on les précise qu'est-ce que c'est ces implications-là, mais également les questions éthiques qu'un processus de gestation pour autrui soulève. Deuxième chose, c'est qu'à la fin de la rencontre, le professionnel remet une attestation signée, une attestation de présence. Et enfin, le troisième aspect qui est mentionné dans le projet de loi, c'est que le professionnel doit être un membre d'un ordre professionnel désigné par le ministère de la Justice.
Donc, c'est ce qui est proposé dans le projet de loi actuel. Vous voyez ici que, ben, d'une part, j'applaudis cette avancée-là. En fait, je pense que le panel d'aujourd'hui, on peut le souligner, je ne sais pas si ça a été mentionné, mais en fait, moi, j'applaudis que finalement, au Québec, on va de l'avant pour l'encadrement de la gestation pour autrui, parce qu'en ce moment, le flou actuel aurait des répercussions, en fait, sur toutes les personnes impliquées. Il y a une grande ambiguïté, puis des fausses informations qui peuvent circuler. Donc, je pense que c'est un enjeu sur lequel il faut saisir et s'y pencher. Donc, j'applaudis l'initiative. Également, la rencontre d'informations, c'est un pas à l'avant pour, je pense que c'est une pratique prometteuse, pour dans une perspective préventive pour éviter les conflits entre les parties, ou du moins dans une perspective préventive des différends qui peuvent survenir. Puis également, ça permet de réduire les risques de mésentente ou de discorde qui pourraient survenir et qui pourraient éventuellement être portés devant les tribunaux. Je salue également le fait que chaque partie initialement soit rencontrée séparément. Isabelle et moi, on souligne qu'ils ont ainsi l'opportunité de discuter librement de leurs préoccupations, de poser des questions également aux professionnels, de pouvoir clarifier leurs attentes, leurs besoins, peut-être leurs connaissances également qui les habitent, qui ont vu circuler à travers les agences, mais également à travers les réseaux sociaux numériques. Il y a beaucoup de personnes qui vont investir les plateformes numériques comme les groupes Facebook pour obtenir de l'information concernant le processus de gestation pour autrui. Et dans ces groupes-là, il y a plusieurs types de formes d'informations qui circulent, parfois des bonnes informations, parfois des mauvaises informations. Donc, ça va être l'occasion vraiment pour clarifier tout le tout. Ça permet également d'aborder les enjeux éthiques, sociaux et relationnels, peut-être des aspects qui n'ont pas été pensés avant même de pouvoir se lancer dans un processus. Il y a beaucoup de personnes que dans nos travaux, Isabelle et moi, on a rencontrées qui mentionnent, il y a des enjeux des fois qu'on va, se poser la question. Par exemple, c'est souvent l'expression que j'attendais, c'est qu'on va traverser le pont lorsqu'on sera arrivé à la rivière. Donc, vraiment dans une situation que s'il y a un pépin, s'il y a un conflit, s'il y a une situation qui pose des enjeux, des tensions, bien là, on va s'y pencher, on va s'y attarder. Mais ça, ce genre d'attitude-là, en fait, ça ouvre la voie, en fait, à plusieurs tensions, plusieurs conflits, parce qu'en général, si des telles tensions surviennent, c'est en situation de crise ou de conflit. Et là, la distance émotionnelle, la distance également pour se poser, pour pouvoir y réfléchir, puis respecter également les attentes et les limites de chacun, chacune, peuvent être fragilisées. Donc, c'est un aspect intéressant de pouvoir les poser puis faire un inventaire puis un survol de différents enjeux comme ça qui peuvent survenir. Ça peut être également une occasion riche, mais ça, ce n'est pas précisé dans le projet de loi, mais ça peut être une occasion d'aborder les différentes implications psychosociales qui sont nombreuses. Je vous en fais quelques exemples, une liste comme ça, par exemple. Comment expliquer à l'enfant les circonstances de sa conception, ce qu'évoquait d'ailleurs Isabelle dans sa présentation, la décision des personnes impliquées d'avoir recours ou non au matériel génétique de la femme porteuse, est-ce qu'elle va utiliser ses propres ovules ou non, c'est quoi les retombées, les implications de tout ça dans l'histoire, la genèse familiale, également la question des origines, également les termes d'adresse qui seront utilisés pour désigner la femme porteuse, est-ce qu'on va l'appeler par son prénom, est-ce que ça va être une mère, une maman? En général, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça va être une matante, une marraine? Bref, il n'y a pas de modèle prescrit non plus. C'est une variété, une pluralité d'expériences que les travaux empiriques démontrent à cet égard-là. Mais c'est quand même des questions qui peuvent se poser. Il y a également les modalités du déroulement de la grossesse, la fréquence des contacts. Est-ce qu'on s'attend à des courriels, à des Zooms, des Teams? Des Skype plus ou moins fréquents? Est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par mois, à tous les jours? Est-ce que c'est des textos? Est-ce que vous allez être présent, présente aux rendez-vous médicaux? Bref, tout ça, c'est des questions qui peuvent survenir à la période de la grossesse. Mais également, tous ces questionnements-là également se posent au moment de l'accouchement. Qui va être présent? Est-ce que c'est dans un milieu hospitalier? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce dans une maison de naissance? Est-ce que tout le monde est confortable avec la décision? Durant l'accouchement, qui va être présent aux côtés de la femme porteuse? Est-ce que c'est son conjoint ou sa conjointe à elle? Est-ce que c'est les parents d'intention? Si oui, lequel? Dans un contexte COVID actuel, on a limité énormément les personnes présentes en milieu hospitalier, entre autres. Donc là, il y a eu des gros enjeux par rapport aux personnes impliquées dans un projet de GPA dans les derniers mois, dernières années, en fait. Tout ça, encore une fois, ça touche la question de l'accouchement. S'il y a des décisions à prendre pour la santé de la femme porteuse qui accouche, mais également l'enfant à naître,
Qui va prendre les décisions? Vers qui les professionnels vont se tourner? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est communiqué également à l'équipe médicale, à l'équipe de soins? Également, discuter du désir éventuellement de la femme de la femme porteuse de partager un moment seul avec l'enfant après l'accouchement. Ça peut être un sujet délicat à aborder qui peut créer des tensions, particulièrement dans la crainte des parents d'intention que la femme porteuse garde l'enfant, qui est une crainte qui est exprimée beaucoup. Même s'il y a une confiance qui est établie, il reste que souvent les parents vont exprimer, ils vont utiliser l'expression de l'épée de Damoclès au moment de l'accouchement en disant bien, elle a quand même un lien de filiation qui peut être établi avec tous ces questionnements-là et ces craintes qui peuvent survenir. Également, le rôle de la femme porteuse après la naissance, tout ça va faire l'objet de discussion. Donc, voyez, ça ici, c'est juste une brève liste d'enjeux qui peuvent être soulevés, qui méritent d'être questionnés à travers des différentes implications psychosociales qui mériteraient d'être précisées. Donc, c'est pourquoi qui nous amène, Isabelle et moi, à proposer une approche un peu différente, en fait, en soulignant quand même qu'une rencontre d'information, c'est bien, mais ce n'est pas assez. On propose la médiation procréative en s'inspirant du modèle de la médiation conjugale et familiale qui est établi au Québec, entre autres. C'est des gens formés qui sont issus de différents ordres professionnels comme des juristes, des travailleurs sociaux, travailleurs sociaux, des psychologues, psychoéducatrices, qui ont une formation supplémentaire pour pouvoir accompagner des couples, des parents séparés, pour pouvoir, par exemple, établir la garde partagée, la pension alimentaire, différents enjeux comme ça. On pourrait s'inspirer de cette formule-là qui est bien établie et reconnue au Québec pour pouvoir accompagner le processus de GPA dans une approche de mise en dialogue, de mise en relation des différentes parties pour être à l'écoute des besoins et des attentes de chacune des personnes impliquées dans le processus. Donc, à la fois les parents d'intention, la femme porteuse, son entourage à elle aussi et l'enfant à naître. Ce qui nous amène à proposer différentes recommandations. Il y en a quatre que je vous propose et je vais terminer là-dessus ma présentation. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir des rencontres individuelles. Il devrait avoir minimalement une troisième rencontre qui permet une mise en commun. Une mise en commun de finalement, qu'est-ce que j'ai compris de la présentation de la personne qui m'offrait l'information sur ça, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que nous, comme personne impliquée dans le processus de GPA, on souhaite avoir comme entente. Donc, c'est le moment de la négociation qui devrait être établie puis mise en commun importante pour s'assurer que chaque personne impliquée ait son mot à dire et puisse avoir une forme d'autodétermination, également un pouvoir d'agir dans cet esprit-là de mise en dialogue. Et également pouvoir de nommer les choses pour établir un bon lien de confiance pour la suite du processus qui va durer plusieurs mois. Également, on questionne l'obligation des professionnels, donc il faudrait qu'il y ait une certification. Comme Isabelle l'a mentionné, ce n'est pas suffisant de parler de professionnels membres des ordres, parce qu'à l'heure actuelle, et là, il va falloir également mettre à jour la loi sur les activités cliniques, la loi provinciale, parce qu'en ce moment, c'est les membres de l'OPQ, donc l'Ordre des professionnels des psychologues du Québec, et l'OTS-TCFQ, des travailleurs sociaux, travailleurs sociaux, qui sont habilités, en fait, à faire l'évaluation psychosociale en clinique de fertilité dans le milieu hospitalier. Mais à l'heure actuelle, les programmes de formation ne prévoient pas de cours sur la procréation assistée et les différents enjeux que ça soulève. Donc, il devrait avoir une certification qui permet d'avoir une formation, pas juste sur les implications psychosociales, mais également les enjeux légaux, parce qu'il y a quand même une connotation forte légale, une compréhension également de la loi et du droit de la famille, les contrats, également sur le plan fiscal, les rapports d'impôts, tout ça. Donc, il y a différentes dimensions qui devraient faire partie de la formation des professionnels qui vont être impliqués dans l'écosystème de la procréation assistée, comme je reprends les mots de Vincent. Également, très important, c'est que le professionnel agisse de façon indépendante et autonome des cliniques et des agences privées. Selon nous, Isabelle et moi, on suggère qu'il y ait vraiment une indépendance pour éviter les conflits d'intérêts. Ça va être un champ d'intervention assez niché. Et ce qu'on remarque, en fait, lorsqu'on s'intéresse et on observe l'écosystème actuel au Québec et au Canada, c'est que c'est un écosystème où est-ce que les juristes et les médecins travaillent quand même main dans la main de façon très étroite. Et ça, on considère que ça peut soulever des enjeux en termes d'expression du consentement, à la fois des parents puis de la femme porteuse, bien entendu, et également des formes de conflits d'intérêts parce que chacun a des intérêts, les juristes, mais également les médecins qui, au Québec, sont payés à l'acte.
Donc, c'est différents enjeux comme ça qui mériteraient, je pense, que d'être conçus comme système de façon autonome et indépendante. Et finalement, ce n'est pas suffisant d'avoir un simple acte de présence à la rencontre d'informations. Il devrait avoir un rapport qui soit rédigé par le professionnel et qui soit joint à la convention notariée pour vraiment établir l'issue de la négociation et les aspects relationnels qui sont mobilisés dans le processus de gestation pour autrui qui va avoir été discuté par le médiateur ou la médiatrice procréative. Je termine là-dessus en vous remerciant pour votre écoute et j'espère qu'en tout cas, ça va être très stimulant d'échanger avec vous, tous et toutes. Je tiens quand même à préciser que je me réjouis que finalement le législateur va de l'avant avec un projet de loi, mais c'est un projet de loi à mes yeux qui reste à parachever avec toutes les dimensions que mes collègues et moi avons soulevées aujourd'hui. Merci à vous, puis bonne discussion. Merci beaucoup, Kevin. Merci à tous ceux qui ont présenté. C'était extraordinaire et j'aime beaucoup le fait que vous avez tous apporté quelque chose de très complémentaire, mais de très différent. J'ouvre tout de suite la possibilité à nos participants de poser des questions. Donc, vous pouvez soit le faire en levant votre main, en cliquant sur le bouton « Réaction ». Vous allez trouver en bas de votre en bas de votre page, ou sinon, vous pouvez utiliser la boîte de discussion bien simplement. You can choose the language, your language of choice, so both French and English are welcome. Please, if you want me to translate or if you want me to transfer your question to our panelists, please just write in the chat box or raise your hand, please. Alana. I got so excited right away. My question is for Vincent, and I am really interested in the way that the government of Quebec is purportedly presenting to restrict the engagement of people from Quebec going internationally to countries that have similar laws, right? That's built in, that people that you can't engage in a country where, for example, you would be paying a surrogate. And so do you think that this will have implications for sort of destination countries and shifting sort of which countries might be destinations for Canadians more broadly? I'm just wondering about the shifts in people going abroad to destination countries, if you will. Merci Alana. C'est une question, c'est vraiment une bonne question. Puis c'est un lien entre deux lois, donc la loi sur les activités cliniques en matière de procréation assistée, là où on n'a pas le droit de référer, le médecin n'a pas le droit de référer si ça ne respecte pas la loi du pays. J'aurais l'impression que, donc, logiquement, disons, dans la beauté du droit, ça serait logique, là, on ne pourrait pas justement prescrire, recommander d'aller dans des destinations où il y a une rémunération qui est faite des femmes porteuses. Mais j'ai l'impression que les gens trouvent de l'information par mille et une façons. Puis il y a plein de manières de contourner cette petite interdiction-là, en fait, pour les médecins de pas référer à l'étranger. Donc, il y avait une étude, je pense que c'est de Eric Blight, qui questionnait... d'une étude qualitative qui demandait à des gens qui ont fait du service transfrontalier, où est-ce que vous avez trouvé l'information? Mais ce n'était jamais les médecins, c'était Internet la réponse. Hein. Le médecin ne joue pas un rôle de référence, ce n'est pas lui qui est en ligne. Puis déjà, c'est déjà le cas maintenant, il y a un certain malaise même des fois à référer pour des dons d'ovules dans certains endroits. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus libéraux par rapport à ça, mais d'autres qui sont un petit peu plus, qui ont un peu peur des conséquences que ça peut avoir. Donc, j'ai l'impression que dans les faits, il n'y aura plus de conséquences. Peut-être que certains médecins un peu mieux informés vont faire un petit peu attention à la portée de qu'est-ce qu'ils vont référer, mais j'ai l'impression qu'ils ne vont pas s'empêcher de faire un suivi ou des choses comme ça. J'ai l'impression que ça va juste créer un certain, silence par rapport à... Les gens vont dire « allez voir sur Internet ». C'est ça qui va arriver, les médecins vont dire « allez voir sur Internet, trouvez, puis moi, je serai là pour vous accompagner ». Est-ce que
que ça, ça répond à ta question? Merci, Vincent. Autre personne qui voudrait intervenir? Moi, j'aurais peut-être une question pour tout le monde, en fait. Une question un peu transversale parce que vous parlez tous d'un écosystème ou de mettre en place un écosystème favorable, entre autres pour pouvoir soutenir toutes les personnes impliquées, autant au niveau juridique et légal qu'au niveau psychosocial. On a des modèles qui ont tenté le coup. Je fais référence peut-être à ma thèse où on avait regardé, où j'avais étudié qu'est-ce qui se passait en Grande-Bretagne, puis on avait tenté de créer une triade hein, dans les cliniques de fertilité où on avait un juriste ou un counselor légal et un counselor psychosocial avec le médecin et ça se faisait vraiment comme c'était la porte d'entrée. Je voudrais juste vous entendre là-dessus sur peut-être des modèles existants qui vous sembleraient être des écosystèmes un petit peu plus favorables justement à ce que ces discussions-là aient lieu plus tôt que tard. J'ai Vincent qui a la main aussi levée. C'est pour une question, Vincent, ou c'est pour répondre? C'est pour une autre question. Super. Est-ce que tu voudrais prendre la parole? Peut-être que tu as quelque chose pour répondre à la mienne et je te redonne le micro pour ta question ensuite. En fait, je sens que Kevin a une très bonne réponse. Je pense que, en fait, un des modèles oui, bien ou qui peut être intéressant, c'est le modèle australien, justement, qui travaille de façon relativement autonome, justement, des cliniques qui ont développé une expertise aussi pour avec le Varta là, sur les questions de procréation pour autrui, que ça couvre en fait l'ensemble des éléments, la gestation pour autrui ou la procréation de gamètes. Et qui voit aussi beaucoup au bien-être des personnes par le biais justement des modalités psychosociales et davantage peut-être par contre que des modalités juridiques, là, je vais l'admettre, mais ça permet en fait de se questionner en amont parce que souvent ce qu'on réalise, c'est que les gens ont beaucoup de, comment je pourrais dire, d'attente par rapport notamment à leurs origines, surtout si on parle, par exemple, de procréation avec don de gamètes, où là, c'est un peu différent qu'avec les femmes porteuses. Kevin et moi, on vient de partir un projet avec des enfants nés de femmes porteuses qui ont vu leur mère enceinte et tout ça. Donc, on a parti ça fait mercredi, puis on a déjà une vingtaine de femmes qui nous ont rejoint avec leurs enfants, et donc des enfants aussi qui nous ont rejoint, ma mère a agi. Puis déjà, tous ces gens-là nous disent qui ont des contacts, qui ont gardé. Bon, fait que c'est une autre modalité de procréation pour autrui. Mais pour le don de gamètes, souvent, on va se fantasmer sur un idéal de départ en disant, oh mon Dieu, quand je vais rencontrer cette personne-là, tout va être fantastique, tout va être merveilleux. Et finalement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Puis il y a des tensions même au niveau des contacts et des désillusions, en fait, entre ce qu'on avait appréhendé puis ce qui est arrivé. Et ça, quand on n'est pas préparé et quand les contacts ou les relations se forment par le biais des réseaux sociaux, notamment avec les tests d'ADN, par exemple, où les gens se rencontrent comme ça sans intermédiaire. Dans un autre projet où Vincent, Kevin et moi, avec lesquels on travaille, des personnes qui sont issues d'un don de gamètes, par exemple, où il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes issues du même donneur, 25, 30, 40 personnes, bien, on s'aperçoit que dans ces groupes-là, il y a des gens qui veulent avoir énormément de contacts très, très forts avec d'autres personnes, alors qu'il y en a qui disent « Oh, là, maintenant que je sais ça, l'information, c'est suffisant, j'ai pas envie que, t'es pas mon frère, ma soeur, j'ai pas envie qu'on crée une relation. » Et donc, ça crée aussi des tensions. Donc, la préparation en amont, à mon avis, permet de moduler peut-être les attentes. Kevin? Oui, peut-être pour répondre à ta question, Audrey, mon petit grain de sel par rapport à ça, c'est que, ben, oui, bien sûr, je pense qu'une perspective multidisciplinaire est essentielle parce que l'encadrement normatif, les enjeux éthiques, les enjeux légaux également ont une incidence, une retombée. Ça rejaillit également sur l'expérience psychosociale des individus. Également, ce qu'on remarque aussi dans les travaux sur le couple, la conjugalité, le mariage ou la famille, c'est que les gens, la connaissance du droit peut être lacunaire. Hein, c'est dire, ben, j'ai l'impression de le connaître, c'est quoi qui va se passer, mais en fait, en bout de ligne, il y a plein de particularités du droit qu'on remarque. Finalement, c'est un langage quand même spécialisé. Donc, les savoirs profanes, les gens, les savoirs d'expérience, des fois, on peut naviguer là-dedans avec une compréhension approximative du droit. Et aussi, comme l'a soulevé Stéphanie, c'est aussi des enjeux aussi des juristes qui montrent que
bien, si c'est écrit dans un contrat, ça veut dire que c'est, si je ne le fais pas, c'est illégal. Et donc, c'est une compréhension erronée, en fait, du droit contractuel. Et ça, ça pose plein d'enjeux. Et je pense qu'un dialogue multidisciplinaire serait essentiel pour voir, pour bien situer, puis également, surtout, assurer le bien-être des parents d'intention, des femmes porteuses, puis de l'enfant à naître. L'enjeu à travers tout ça, c'est qu'on, sur le plan, mettons, multidisciplinaire, c'est que dans tout ça, on entend très peu la voix des femmes porteuses dans ce cas-ci, parce qu'à ma connaissance, au Canada, il n'y a pas d'association de défense des droits. Contrairement dans d'autres domaines d'intervention, dans d'autres champs d'intervention, c'est que les usagers, usagères, les personnes directement concernées sont constituées en fédération. Il y a des organisations qui sont aussi, qui revendiquent, qui contribuent également à améliorer les pratiques. En ce moment, les femmes porteuses sont individualisées, tandis que pour les parents d'intention, il y a des associations pour les couples infertiles, pour les couples gays également, les coalitions des familles, par exemple, homoparentales. Mais à ma connaissance, pour les femmes porteuses, bien, c'est très individuel, donc ils ne sont pas rassemblés. Et là, dans ce discours-là, dans ce dialogue-là multidisciplinaire, en fait, c'est des experts qui prennent la parole. Et ça, pour moi, il y a un enjeu ici sur lequel il faut se pencher, puis il faut considérer à mes yeux. Puis ça permettrait de pouvoir mettre de pouvoir identifier des enjeux très concrets. Par exemple, puis moi, c'est des femmes que j'ai rencontrées dans mes recherches qui me disaient, bien, tu sais, dans mon contrat, ça disait qu'en cas de débat, en cas de doute, donc, c'était le contrat mené par des juristes, accompagné par tout ça, là, par le domaine du droit. Dans le contrat, il y avait l'article qui disait, bien, si on ne s'entend pas, c'est le médecin qui va trancher, c'est lui qui va décider. Mais là, par exemple, donc c'est le droit, la médecine qui s'arrime. En fait, il y a un maillage, mais ici, en fait, on confie du pouvoir dans les mains du médecin ou d'autres experts également, mais aux dépens des personnes directement concernées. Puis ultimement, il faut rappeler aussi que bien, les femmes ont la souveraineté sur leur corps et elles peuvent mettre fin à la grossesse, par exemple. Ce n'est pas un médecin qui va décider quoi que ce soit, mais encore aujourd'hui, au Québec et au Canada, c'est le cas. Il y a certains contrats qui mettent ce type d'article-là, même si finalement, ça peut être contesté facilement. Donc, cette impression-là de si c'est mis par écrit, fait que je pense qu'il y a l'intérêt pour montrer justement ces enjeux-là, tous ces exemples, on pourrait en faire une liste énorme. Bien, ce dialogue-là permettrait d'avoir des garde-fous, permettrait également de bien assurer des limites, puis les faire respecter aussi, puis peut-être mettre des garde-fous officiels, puis pas juste laisser ça aux instances privées de s'autoréguler. Moi, je serais je serais réfractaire à une telle forme d'autorégulation par les milieux privés. Je pense qu'il y aurait un intérêt que l'État aussi, que le législateur prévoit les garde-fous à cet égard-là. Merci beaucoup. Je me permets un commentaire parce que je ne vois pas d'autres mains, mais les médecins ont été et sont souvent considérés comme les médiateurs de conflits. Hein. Ça a été le cas dans à peu près tous les recours judiciaires entourant la filiation d'enfants nés de procréation assistée, où on allait chercher les médecins de procréation assistée pour pouvoir témoigner du projet parental, puis même de l'intérêt de l'enfant. Donc, ça peut être... En tout cas, c'est intéressant de voir qu'on y réfère encore dans la pratique. Oui, Vincent. C'était hyper intéressant, Kevin. J'aimais ton analyse du fait que des voix qui prennent la parole pour les femmes porteuses, hein, puis comment dans l'espace public, elles ne sont pas vraiment présentes. J'ai l'impression aussi que dans les entrevues que j'avais faites, il y a beaucoup de tabous. Les gens se sentent jugés aussi, les femmes qui ont participé à ça. My question is for Stephanie. I was wondering, so what's happening in Quebec? Will it be like quite similar to what's already there in Ontario? And what about the rest of Canada? Is there, in terms of gestational surrogacy, does the other provinces' law is quite similar to Ontario, or there is big differences? And so the question is Quebec's, let's say, what's proposed in Bill 2 going to be very similar to Ontario? The first part, and then comparison to the rest. Okay, so yeah, so actually I do think that Bill 2 is quite similar to Ontario in different ways, both through the ability for the intended parents to ask to be recognized as the child's parents in the event of disputes. That's something that's similar in Ontario, also in British Columbia as well. I mentioned in the presentation the 7-day delay, which is very much the same as Ontario. My understanding is that some other provinces now actually are legislating a shorter delay,
But I would need to double check this. I think Saskatchewan and Manitoba might have something that's shorter now. BC doesn't have any delay that's legislated. And I think, you know, so several of the provinces are going in the direction of Ontario and BC by now having this birth registration process. Interestingly, what I just saw in Manitoba is they're actually adopting a judicial process, which I was quite surprised about. I thought they would move towards a birth registration process similar to Ontario. And so we really do have this patchwork of different approaches across Canada. And what that has meant up to this point is that, of course, people are choosing the jurisdiction in part where their surrogate's going to give birth based in part on the laws there. Part of the decision about where their surrogate will give birth is at least informed by the laws and whether it's going to be difficult, they think, for the intended parents to be legally recognized. So I hope that answers the question. Yeah, thanks. Thank you very much. Oui, Kevin. Moi, j'avais une idée que je voulais réagir, en fait, à la discussion tantôt avec Vincent, la question sur la GPA transnationale. Un aspect, je pense qu'il mériterait d'être souligné aussi, c'est en fait les parents d'intention internationaux qui viennent au Canada, en fait. Puis ça, c'est, là, je pense que ça ajoute, en fait, ça amène des enjeux complètement différents. Puis là, qui me semble, en fait, sur le plan, puis là, il y a plein de plans, sur le plan fiscal, de redistribution de la richesse, d'équité en santé, de... Bref, il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, ce que ça implique, c'est que en fait, le Canada devient une plaque tournante aussi, une destination quand même de prédilection pour la gestation pour autrui parce qu'on a un système de santé universel. On a, c'est des femmes éduquées en général. Le profil des femmes porteuses, là, c'est quand même moyenne. Les quelques informations qu'on a à cet égard-là, c'est que ça se passe bien. Beaucoup de couples européens, par exemple, qui peuvent venir au Canada. Pour également la souplesse, ça coûte moins cher également que nos voisins du sud des États-Unis. Bref, il y a quand même des facteurs à en prendre en considération et ça soulève des enjeux. Par exemple, ne serait-ce que c'est le système de santé canadien, en fait, qui soutient la démarche, tous les services de santé, services sociaux à la femme enceinte, en fait, qui est canadienne. Donc là, en termes d'équité, payer pour les soins, il y a comme des questionnements par rapport à ça, des principes là, qu'il faudrait soulever. Il y a aussi qu'est-ce qu'on fait en cas de problème. Si pendant la grossesse, puis en fait, c'est la grande crainte que j'ai soulevée tantôt, que la femme porteuse change d'avis, c'est très rare, c'est l'épiphénomène. Par contre, ce qu'on remarque un petit peu plus, c'est davantage des parents d'intention qui dissout l'entente pendant la grossesse. Par exemple, il y a eu décès ou il y a eu séparation pendant la grossesse. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça lorsque les parents d'intention sont dans un autre pays et ne viennent pas chercher l'enfant? C'est quoi nos recours? C'est quoi on va mettre Interpol sur la question? Donc là, ça soulève des enjeux qui me semblent, en termes de frontières, nous, il y avait quand même, Isabelle et moi, dans notre mémoire cet automne, on proposait quand même de limiter ce qui nous semblait quand même en termes d'équité. Il y avait certains principes qu'on soulevait pour montrer que on devrait peut-être limiter la gestation, la GPA transnationale pour les parents d'intention internationaux. C'est prévu dans le projet de loi en termes d'une résidence d'un an au Québec, là, mais il y a des différentes considérations, je pense, qui pourraient être encore renforcées à cet égard-là. Je serais curieux d'entendre les autres, d'ailleurs. Peut-être Stéphanie a peut-être des idées là-dessus, Isabelle, puis en fait, tout le monde, en fait, autour de la table, les autres aussi qui nous écoutent, je serais curieux de vous entendre là-dessus aussi. En fait, juste pour compléter ce que tu dis, des nouvelles données là, publiées récemment auprès d'une plus qu'une centaine de femmes porteuses canadiennes démontrent que 46% des gestations pour autrui impliquaient une entente internationale. Donc, c'est vraiment important là, que ce soit si élevé que ça. Oui, c'est particulier. Puis ça pose effectivement aussi des enjeux d'équité en termes d'accès aux soins de santé. On peut dire qu'il n'y a pas tant de gestation pour autrui dans le Canada comparativement à l'ensemble des accouchements. Mais je prends un exemple où ici, dans mon coin, c'est pas rare là, que la maternité est fermée ou qu'on accepte un ou deux ou trois accouchements, mais qu'après ça, c'est fini. Mais il y a des femmes porteuses dans la région, tu sais. Fait que s'il y en a une, tu sais, qui prend la place, qui accouche, puis c'est pour des parents d'intention européens, pendant qu'une femme québécoise s'en va à 2 heures de route dans un autre hôpital. Bon, ça pose quand même ces enjeux-là aussi, là, en termes d'accès des soins de santé.
Yeah, to build on that, like that study showed, 46%, is that what you said, international? Mm-hmm. Largely out of one clinic, but we also know that that's the clinic where most surrogacy in Canada is occurring. And out of BC, I think Vincent, you were citing Allison's work, but Pamela White's done all that work as well on, you know, about a third of surrogacies that we're seeing in BC within a particular time period being to international parents. And so increasingly that's the concern, or something that like we haven't grappled with sufficiently. It actually makes me think about the fact that, you know, back in the days, and I don't want to refer back to, you know, 10 years ago all the time, but I think back in the days, we were discussing surrogacy questions like overall in Canada with a lot of misconceptions of what was actually happening in the reality of the people involved, like and surrogates in particular, but in like how they actually build a project together. And I feel by listening to all of you that we're still a bit, you know, out of touch with what is the experience and what is the practice of surrogacy and even assisted conceptions broadly in the way we build, you know, build too. Am I right or am I completely out of touch here? Yes, Stephanie. Well, so I think we're gathering more information about what's happening, and Kevin and Isabel have done really wonderful empirical work. I've done a little bit. I'm also now on a big project with Alana and Isabel. It's led by Vanessa Grubin, that's going to be doing interviews with surrogates, and I'm going to be doing a project with intended parents. But I do think in terms of, you know, whether the government is actually listening to that empirical work, I mean, it's part of our job to speak to them also, to tell them what we think. And Kevin and Isabel did that before lawmakers in relation to Bill 2. One criticism that I would have around Bill 2, and I know Alana shares with me as well, was that there wasn't a great deal of public consultation prior to the bill being put forward, right? And that's something that we have some concern about, because we think that, you know, lawmakers should be hearing from surrogates and intended parents, and they did have the opportunity to hear from, let's say, a surrogate during the course of their consultation, but we don't really feel that it was necessarily adequate and there was enough time. It was kind of like, if you wanted to participate in the public process, you needed to drop everything you were doing and focus on reading this very, very detailed, complicated bill quickly and then be able to respond to it. So it's also about like we're producing the research and we're really interested in learning more about what's happening on the ground. There's certainly a lot more to be learned. I'm hopeful that the government will listen to us going forward. But for Bill 2, I have some concerns about whether they will. And I do think that with how this is currently drafted, I'm not sure that there was sufficient consultation. I think there was some, and I think there's, as I mentioned, some really good things in the bill, but I think that more could have been done. Thank you for that. Kevin? Dans la même veine aussi, par rapport à ce que soulève Stéphanie sur les consultations qui ont été très rapides, hein, les acteurs, actrices mobilisés pour ça ont dû mettre de côté plein de dossiers en cours pour se concentrer de façon très intensive sur la rédaction de mémoire, mais également la préparation, bref, tout ça. Mais également, un gros enjeu, je pense, puis ça, c'était, moi, je le déplore, c'est qu'on a mis beaucoup de choses dans ce projet de loi 2-là. Hein. Là, on parle de GPA aujourd'hui, mais en fait, ça a été beaucoup de chantiers qui auraient mérité, en fait, des projets de loi différents. Parce que là, en ce moment, le débat, en fait, ça a été court-circuité par beaucoup d'enjeux qui, par exemple, de GPA, de questions des origines, mais également les questions trans, les personnes non-binaires, personnes trans, qui là, c'est complètement des univers complètement différents. Ça n'interpelle pas non plus les mêmes personnes, les mêmes spécialistes, les mêmes experts, expertes ou les personnes concernées. Et les enjeux n'étaient pas les mêmes. Et la façon que le projet de loi était formulé, était rédigé, ça a été à bref, même le ministre le mentionnait par rapport aux questions trans et non-binaires. Et là, ça a été dommage parce que maintenant, la discussion a été campée, puis il y avait beaucoup de
court-circuitage dans tout ça. Fait que ça, c'est également un enjeu, je pense, en termes de discussion. Que là, on continue, hein, le panel d'aujourd'hui le montre. Mais je suis très curieux de voir cet hiver, avec la nouvelle mouture du projet de loi avec, qui va avoir été amendé, que les parlementaires vont amender, vont discuter, puis vont ajuster. J'ai hâte de voir comment que ça va être repris. Merci. Vous pensez que ça va être adopté avant la campagne électorale? Moi, je pense que oui, ça devrait l'être. Je pense qu'on va déposer sous peu aussi, j'ai l'impression, le truc sur la conjugalité. Mais là, on vient de déposer aussi sur un autre projet là, qui va être qui touche les enjeux liés à l'adoption. C'est ça, l'adoption? Et puis, voilà, eux autres aussi ont appris, j'ai une collègue là, qui est en train de travailler, elle a appris lundi que les auditions auraient lieu dans 2 semaines. Donc, c'est vraiment aller à fond de train. Je pense que le gouvernement, mon idée, enfin, c'est que le gouvernement veut à l'automne avoir aussi d'autres checks que COVID. Là, t'sais. On veut pouvoir dire qu'il y a eu d'autres réalisations que ça. Conséquemment, je doute que ce projet-là, en tout cas celui-là, le PL2, ne passe pas avant. Je suis certaine que ça va être le cas. Vincent? Oui, j'ai une question pour Isabelle. Ben, c'est ça. Donc, le projet de loi, il parle d'un registre, donc l'établissement d'un registre, donc avec les informations. C'est sûr, il n'y a pas beaucoup de détails sur quel type d'informations vont être collectées ou non. Je sais, peut-être que je me trompe. Puis, je me demandais, surtout, il devait en avoir un au niveau fédéral, c'est tombé à l'eau. Puis, j'ai toujours trouvé dans ces projets-là de registre, justement, on ne prenait pas en compte le fait que la procréation assistée, une grosse part est transfrontalière. Donc, les dons de gamètes viennent des États-Unis à 99 % les dons d'ovules d'Espagne, des États-Unis. Donc, si on dit 46 % de on disait pour la gestation pour autrui, donc c'était l'étude de Pamela White, si j'ai bien compris. Donc, comment on fait pour justement garder des traces dans ces circuits-là, dans ces réseaux-là transnationaux? Donc, est-ce que ce n'est pas une espèce de vœu pieux, de croire qu'il va avoir quelque chose, on va avoir la capacité, 14 ans plus tard, d'attacher tous les petits bouts qui nous amènent jusqu'à cette personne-là à l'étranger. Comment on peut opérationnaliser ça en termes de gestation pour autrui? Je me demande, c'est une idée qui revient souvent, mais qui m'apparaît toujours extrêmement dure à opérationnaliser. En fait, les pays qui ont des registres, c'est surtout des pays qui ont des donneurs au sein de leur pays, qui ont plus de dons, qui ont plus de donneurs disponibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dons transnationaux. En Australie, bien, c'est sûr qu'on peut faire appel à des banques états-uniennes, par exemple, mais il y a plus de donneurs australiens. Ensuite, c'est la même chose. Ils ont une campagne nationale qui valorise un peu l'esprit viking. Tous les pays du Nord font ça pour éviter justement de dépendre des banques états-uniennes. Mais c'est clair qu'au Canada, c'est l'inverse. Je pense que l'année passée, c'était 45 donneurs disponibles sur l'ensemble du Canada. Alors évidemment, on n'a pas le choix de recourir aux banques états-uniennes. Et quand on fait ça, bien, ce que mes recherches démontrent avec les familles, surtout avec les familles hétéroparentales, c'est encore plus marqué, c'est que la plupart du temps, ils s'intéressent très peu au choix du donneur. Il y a des fois qu'on va s'intéresser au choix du donneur, mais il y en a beaucoup qui vont laisser les cliniques faire le choix pour eux. Puis quand on leur demande quel type de donneur, ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas d'où il vient, ils ne savent pas quel type de donneur. Et quand c'est eux qui l'ont choisi, bien, ils ont pris des donneurs à identité fermée. Donc là, à partir de là, si on a un registre avec un donneur à identité qui permet de donner les identités, de colliger les informations sur le donneur, si on peut en même temps choisir un donneur privé à identité fermée, bien là, ça pose un enjeu important. D'autant plus que jusqu'à tout dernièrement, les seules paillettes de sperme qui étaient remboursées dans le programme de procréation assistée, c'était les gamètes à identité fermée. Il fallait payer pour des gamètes à identité ouverte. Conséquemment, les couples choisissaient des gamètes les moins chères. Donc, c'est remboursé par la RAMQ. Donc, ça aussi, c'est des enjeux, ce qui fait en sorte que finalement, la plupart des personnes qui ont accès à des registres, ce n'est pas par les registres qui passent pour aller trouver les informations, mais c'est souvent par le biais des sites comme Ancestry, 23andMe, pour pouvoir connecter entre eux.
Donc oui, je pense qu'il y a une certaine façon d'avoir un vœu pieux là-dedans, mais en même temps, je pense que l'idée de consacrer ça, de normaliser peut-être aussi la conception, je pense que si ça vient avec des campagnes aussi de normalisation de ce mode d'entrée en famille-là qui permet d'éviter la stigmatisation, qui peut-être qu'effectivement, on va voir que des parents vont être plus ouverts là, à donner cette information-là. Merci beaucoup. Alana? Yeah, I was just thinking that just as what Isabel was talking about in terms of like the optimism of this bill in some places around like things that might be possible, but they're not entirely possible. It's not going to play out on the ground that people are going to have access to information about their origins necessarily, but that there is a commitment to an ethics here that might not be, as Vincent suggested, operationalized fully. And I think that that's true of transnational surrogacy here as well, that it's not going to stop unethical practices, but there is a commitment on the part of the government of Quebec to try to establish this shifted paradigm of what are anticipated to be ethical practices and to do what one can. Is this an impression that other people have? And are you seeing that sort of play out in your readings of this bill? Which I feel like to read this bill closely, I need two computers, a printed copy, and then conversations with all of you, which is really what this is. It's like, I need more of all of you, so. Kevin, tu veux-tu réagir? Oui, peut-être réagir. Oui, hein, puis en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer par les règlements qui prévoient être adoptés plus tard. Mais ça, finalement, on a peu d'informations finalement sur beaucoup d'aspects du projet de loi. Toutes les questions qu'on a soulevées jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses que j'ai compris que finalement, ça va être prévu dans les règlements. On va prévu dans les règlements, mais ça, il peut avoir un décalage entre l'adoption de la loi puis également l'adoption des règlements. Donc, ça, déjà des enjeux par rapport à ça. Moi, une chose qui me questionne aussi beaucoup, qui me préoccupe, c'est tout l'aspect des agences, des intermédiaires privés. Le projet de loi québécois en le mentionne pas. Là, bien sûr, il y a les juridictions fédérales. Puis, justement, on n'a pas d'instance étatique. Ça a été aboli, l'agence de procréation assistée, la réglementation. Qu'est-ce qui se fait dans les agences? Qu'est-ce qui ne se fait pas? Il y a quand même des belles choses. Hein? Moi, il y a des femmes que j'ai rencontrées qui me mentionnaient en termes de soutien social, en termes d'information, d'accompagnement, de screening. Il y a plein de belles choses également, puis des belles agences qui font des choses qui sont solides, sont permanentes également, ou du moins, ils ont une stabilité. Tandis que maintenant, dans les dernières années, on voit qu'il y a des petites agences qui, comme ça, commencent à émerger. On se questionne également sur leur pratique, ce qui n'est pas du tout réglementé à ma connaissance. Puis ça, je pense que c'est un enjeu. Quand on parle d'écosystème, qu'est-ce qui va se mettre en place au Québec? On l'observe déjà sur les médias, réseaux sociaux numériques. Il y a déjà des agences ontariennes qui voient un peu la province du Québec s'ouvrir à la question de la GPA, ou du moins le réguler. Et là, il y a comme déjà des propositions. Fait que je pense que la question des intermédiaires privés, il ne faut pas les mettre de côté. Il faut vraiment s'en saisir. Puis je pense que j'ose croire que ça va être prévu dans les prochaines moutures ou dans les règlements, parce que pour moi, c'est quelque chose sur lequel on devrait se pencher. Et là, peut-être je me tourne vers mes collègues juristes. Est-ce que c'est dans le droit de la famille, le code civil, ou c'est la loi sur les activités cliniques et de recherche en procréation assistée? C'est dans quel lieu qu'il y aurait une prise intéressante au Québec? Mais ça, c'est une de mes préoccupations qui n'est pas répondue dans le projet de loi actuel. Quelqu'un qui voudrait réagir? Stephanie? So yeah, so I think it's really interesting, the question of the agencies, because of course I get asked that question all the time of how are there agencies operating in Canada despite the AHRA, and why is this allowed, and why is there no regulation around this? In terms of how to regulate this and which piece of legislation it would go into or the regulations, I'm not really sure actually. And I'm also not sure whether this would, you know, open any sort of kind of can of worms or problems given the federal law around this that criminalizes it. It's true that in terms of regulations that would not be in the criminal domain, the provinces would have jurisdiction, but for something that is criminalized, it still is the feds. And so I'm not sure if it's more to them that they should be doing regulations, and I'm not sure that there's any current desire to do that. And so I think that we do have, you know, really this legal vacuum right now where we have
of course, all these agencies increasingly popping up and really operating with no sorts of regulations. And I think we need, and I think this is something that's starting to be gathered more data about what the agencies are doing. And so I know I'm on a doctoral committee of a student at UOttawa who's doing interviews with the agencies now. And so that should be an interesting source of information. It's also something that I intend to explore also through my research with intended parents as well, their experience working with the agencies. I think you're right. I'm not sure that the Quebec government's going to touch that yet. I would be surprised if they do, but maybe, you never know. Vincent? J'ai une question large. C'est lié à ma lecture du projet de loi. Alana, oui, je vois ton, ce que tu veux dire par l'optimisme. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a quelque chose de... je dirais pas que c'est comme un royaume de licornes et de nuages multicolores, là, mais je sens qu'il y a quelque chose de très optimiste. Stéphanie, ce que tu me fais penser, c'est les interactions provinces fédérales. Puis je me demande, à travers l'idée du... c'est explicite, on parle d'un droit de connaître les origines. Et j'ai l'impression que, peut-être je me fourvoie, là, mais c'est un droit qui a rarement été reconnu au Canada de manière aussi explicite, qui n'a jamais été nommé de manière textuelle. Puis j'ai l'impression que ça... je ne sais pas si justement il peut y avoir des frictions avec le fédéral, tout ce que ça implique pour les personnes issues de reproduction avec tiers. Là, je sais que c'est un droit qui avait été... il y avait des gens qui s'étaient battus en cours pour essayer de l'avoir, mais ça n'avait été jamais reconnu. C'est un peu une réflexion comme ça, un peu décousue. Stéphanie? Yeah, so in terms of whether there'd be conflict with the AHRA in relation to rights to your origins, that I don't really think so, or at least I haven't turned my mind sufficiently to that. But in terms of rights to your origins being recognized in Quebec and that being really unique, like, yes, that is very unique. That's not recognized elsewhere. There's rights in relation to adoptees having access to information in certain provinces. And there was a case that was brought several years ago, I think it was 2013, or actually it was earlier, but the Court of Appeal decision in BC in Pradin was in 2013, where the court was not willing to recognize that children have a right to to information about their origins in the same way as adoptees if they're donor offspring. And so that was actually rejected by the BC Court of Appeal. And so, yeah, so this would be really quite unique in Quebec bringing this forward. I'm even wondering if that change of paradigm that Vincent was talking about earlier is not about like the switch we've made from what was like the medical practice of assisted reproduction as a whole, like and a switch to actually to children way more now with that. I'm not sure the bill does really cover like the rights and the best interest of the child that much, but I think that's kind of the intent of the first version. Am I, you know, what do you think about that? Yeah, Alana, you're right. Like it really follows the Roy report in that sense. Oui, Vincent. Ben, c'est sûr que c'est un chiffre là, qui se fait de manière plus large, justement d'aller vers le meilleur intérêt de l'enfant. J'ai l'impression que ça teinte ce projet de loi-là. Mais bon, je laisse la parole aux autres. Merci, mais je vois une main levée. Donc, Clémence? Oui, bonjour. J'ai commencé ma vidéo, mais je crois qu'on m'entend pas. Donc, moi, j'avais une première question par rapport, en fait, on n'en a pas du tout parlé, c'est pas mal ignoré, c'est les risques médicaux qu'encourent les mères porteuses, qui sont principalement, est-ce que vous savez, comme les risques qui sont liés à la reproduction assistée et surtout au don d'ovocytes et aux risques que prennent les pourvoyeuses d'ovocytes? Et mon autre question par rapport aux agences et aux transfrontaliers, c'est la notion des agences qui recrutent activement à l'étranger.
en faisant des webinaires en français et en espagnol. Et puis, I have a really specific question for Stephanie because I've read the bill and it's really long and I lost sleep too, but we put out a brief. My question is about the right of the intended parents to reclaim some of the reimbursement that they can't, according to what we read, but we were not sure if the money given to subsidize the loss of revenue, this one, from what we read, might be the intended parents could be able to ask it back, and we were not sure. So I have that question too. Thank you. Merci beaucoup. Juste pour répondre peut-être à la question des risques médicaux, parce que effectivement, oui, c'est une question là, qui est importante, qui a été souvent questionnée. Il y a plusieurs études, des études épidémiologiques, dont trois qui sont sorties dans la dernière année sur ce sujet-là, avec des cohortes quand même assez grandes, qui démontrent qu'en fait, les femmes qui sont femmes porteuses ont des grossesses plus faciles que les femmes nullipares, ont moins d'enjeux aussi au niveau de, ont des bébés de poids de grosseur similaire. Sauf que ça s'apparente en fait à toutes le poids des bébés, là, ça s'apparente à toutes les procédures de FIV. C'est-à-dire que dans les procédures de FIV, les bébés, ils sont de plus petit poids en général que pour les grossesses lambda, là, les grossesses tout venant. Mais les femmes porteuses, dans le groupe de femmes qui ont des bébés par FIV, ont des plus gros bébés que les autres. Pourquoi? Probablement qu'on estime que c'est parce que les femmes qui sont femmes porteuses sont souvent un petit peu plus jeunes, en fait, que les femmes qui deviennent femmes pour elles-mêmes avec une FIV, qui, elles, sont des fois plus âgées, quand on compare les deux groupes, et aussi parce qu'elles ont des grossesses préalables pour elles-mêmes qui ont bien été. C'est-à-dire que les femmes porteuses qui ont des grossesses difficiles, je veux dire, préalablement, les femmes qui ont des grossesses difficiles ne vont pas s'embarquer dans des situations comme celle-là. Mais ça reste quand même que ça arrive. Il y a une étude quand même, une méta-analyse là, qui a été déposée par Oxford Journal en 2016 qui a documenté, je pense que c'était trois hystérectomies sur l'ensemble des études qui avaient eu lieu sur le sujet. Donc oui, c'est une situation qui est quand même, qui peut quand même arriver, sauf que généralement, c'est relativement rare. En fait, c'est beaucoup plus rare dans les études épidémiologiques là, qui émergent là, depuis 2-3 ans que ce qui est dit, en fait, dans le discours courant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sûr que la question des agences, on se rejoint là-dessus, là, qui font effectivement du recrutement à l'étranger. C'est un enjeu qui est quand même important. C'est ce que tout à l'heure, là, mes collègues parlaient. D'ailleurs, il y a même une question qui peut être posée, à savoir quand les agences recrutent à l'étranger, bien qu'on sait qu'ici, c'est interdit d'avoir une rémunération, par exemple, pour mettre en relation les parents et puis les femmes porteuses. Quand on recrute à l'étranger, qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, il y a des enjeux qui sont là, dont j'ai parlé tout à l'heure là, en expliquant que peut-être ce serait une bonne idée de restreindre au territoire. D'ailleurs, c'est ce que le projet de loi fait, c'est ce que Kevin et moi, on suggère dans le PL2. Mais oui, effectivement, ça, c'est un enjeu. Mais au Québec, je pense que cette question-là du recrutement à l'étranger va être beaucoup plus difficile compte tenu des balises qui sont déjà mises en place, à savoir qu'il faut habiter sur le territoire ou être citoyen. Il faut habiter sur le territoire depuis au moins un an au moment de la GPA. Déjà, ça restreint l'accès. Moi, je pense que ça devrait être nécessairement seulement permis pour les résidents québécois, donc quelqu'un qui a déjà une résidence et non pas quelqu'un qui habite sur le territoire depuis un an au début de la grossesse. Mais voilà, ça, c'est les balises. Donc, ça va être probablement mieux encadré au Québec que ce l'est au fédéral actuellement. Merci, Isabelle. Je vais laisser la possibilité à Stéphanie de répondre, puis je vous redonne la parole, Clémence. So thanks for your question. So I was just looking up in the statute. I knew which provision you were referring to, which is confusing. I read that particular provision as 541.9. And I also went, what do they mean here? But my overall reading, so my reading of 541.2 is that if you reimburse a surrogate for her expenses or for a lost work-related income, you can't claim that back if she then it doesn't go forward with the arrangement, so she unilaterally terminates it. But in terms of what's seizable, so that's 541.9,
They say, you know, the amounts reimbursed for certain expenses and if applicable, paid as compensation for loss of work-related income in consideration of their contribution to the parental product are exempt from seizure. However, the compensation paid for loss of work-related income is seizable with regard to a debt of support. So they're carving out this little exception, it seems, in relation to a debt of support, but I would have to do more research to better understand what specifically they're referring to there. And I think we would benefit from further clarification from the government of why they're doing that also. So yeah, it's a good question. Clémence, je vous redonne la parole. Oui, c'est ça, c'est par rapport à ce que disait donc Isabelle, par rapport aux recherches, parce que nous, dans notre mémoire, on a cité une recherche de Madame Wu. Donc, elle comparait donc une grossesse spontanée et une grossesse pour autrui chez la même personne. Et elle avait vu une augmentation de risque très significative chez la même personne. Alors, c'est sûr que si on va comparer déjà dans le cycle des FIV, les mères porteuses par rapport aux femmes qui ont des FIV pour elles-mêmes, qui sont certainement plus âgées, peut-être que là, c'est équivalent, mais quand on parle à une femme porteuse à elle-même, il y a quand même un risque très significatif. Je pense que c'est important quand même de le mentionner. Et par rapport à la résidence, bah, c'est sûr qu'on a déjà vu ça pas mal pour l'immigration, hein, des gens qui font c'est connu pour... Dans l'immigration, on peut tout à fait avoir une adresse de complaisance qui montrerait une résidence pendant un an et qui donnerait tout à fait accès à la GPA au Québec. Et donc, nous, dans notre mémoire, on a cité, donc en 2021, c'est assez populaire chez les Français de venir au Québec. C'est tout à fait vrai, vous avez raison, là, que c'est quand même quelque chose qui est au niveau des Français qui viennent ici. Quant à l'étude que vous citez, le risque n'est pas très significatif, il est significatif. Et on ne parle pas de difficultés physiques graves, on ne parle pas d'un risque significatif pour mourir de l'accouchement ou perdre son utérus. On parle pour avoir, par exemple, du diabète ou avoir peut-être l'hypertension, mais c'est un risque significatif qui n'est pas très significatif. Et les autres études sur le sujet là, n'arrivent pas au même résultat. Il nous reste 3 minutes pour conclure. Vous remercier tous. Si je pouvais vous envoyer des félicitations et des merci, c'était particulièrement intéressant et j'espère sincèrement que vous continuerez tous vos travaux exceptionnels. C'est un plaisir de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Peut-être Vardit, Alana, vous voudriez peut-être juste avoir un mot de la fin, dire au revoir. Alana, go ahead. Non, juste merci à tous. Je me propose pour vous souhaiter une excellente fin de semaine. Un gros merci encore et à bientôt, j'espère. Merci Audrey pour l'animation. Merci. Oui, merci. Merci Audrey. Merci à tous pour l'organisation. Au revoir. Bon week-end. Bye.